Non, je ne vais pas vous la refaire à nouveau. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur un Podcast, C'est Fred et on est vendredi, euh, vendredi 29 mars. Pas mal. Cette semaine, comme j'en fais un petit peu tous les jours, euh, finalement j'arrive à retenir les dates. Il y a du progrès. Voilà, il y a du progrès. Notez-le notez quand même qu'il y a du progrès. J'arrive à retenir des dates. Truc de fou. Euh, bah, écoutez, je pense que vous avez vu déjà nos publications, vous savez ce qui, ce qui va arriver, les personnes qui vont arriver. Donc euh, bah, je ne vais pas être tout seul, hein, forcément. <laughs> Il y, y a un invité, il commence à taper l'incruste d'ailleurs sur la chaîne. Regardez-le, tout en rose ou violet. Bonsoir, <laughs> monsieur Maxime. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je n'étais pas prêt hein, pour mon apparition, je tiens à le dire. C'était fait exprès en fait. <laughs> vraiment... Il me prend un <laughs> revers. Oui. À le petit Marcus. Oui, bah, ça va et toi Merci beaucoup de m'inviter. Oui, bah écoute, euh... avec plaisir. On a pensé à toi quand on était à jouer et compagnie à Epinal. Ah ouais, le week-end voilà. de la honte. Bah, ah, oui. J'étais bah, oui, oui, oui. vraiment pas bien ce week-end-là, c'est vrai. Ouais. Donc, bah, merci énormément d'avoir pensé à moi et, et de m'inviter pour ce soir et de me donner cette opportunité. Je vais bah, pas mettre mon gros micro trop euh... devant la caméra. là. Mais ah, c'est pas grave, ça dis, Ça fait un petit côté route. Ce... Moi j'aime bien, moi personnellement. Bah, et surtout là. avec le. Alors, ah, tout, on va en profiter, on va aller des trucs pour les gens. Quoi. Ah, mais en fait, c'est assez à tout ça, c'est parce que mon micro n'est pas assez lourd pour mon pied micro, ce qui fait que si j'enlève tout, il remonte tout le temps, il fait comme ça. C'est pour pas... ça qu'il y a le brille dessus. Euh, écoute, avant qu'on fasse venir notre invité, je fais un petit coucou rapide à tout le monde dans le chat. Donc, euh, bonsoir Die Story. Qui sont ces gens qui, Pourquoi s'incrustent-ils dans le chat qui, qui est derrière ce compte Je me le demande. Euh... Tu sais que c'est toujours un problème. Je ne sais jamais si je viens avec mon compte perso, ou mon compte chaîne. Parce que vu que je viens en tant que KFR, tu vois, ouais, je sais jamais ouais. si je viens avec le Story ou califer Je vais venir avec les deux. <laughs> ouais, euh, bonsoir Alexandre Adias. Bonsoir Limaël. Ouais. Bonsoir Saurus. Bonsoir Bonzux euh, bon, 42. Bonsoir Mokyo, bonsoir Buenvenuto, allez à Yacta 44, et puis euh, merci pour la chemise, c'est euh, une chemise à l'arrache, chemise bûcheron, j'aime bien les bûcherons. Un petit Donc, côté bref. Clark Kent aussi. Oula, <laughs> voilà, Clark Kent de très très loin et dans le noir, <laughs> très loin là-bas. <laughs> euh, bonsoir Aigamer, bonsoir à tous. Toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, puis n'hésitez pas à laisser des questions quand, quand vous avez, quand vous souhaitez. Bonsoir, enfin et puis coucou à toutes celles et ceux qui nous suivront sur YouTube dès la redive demain. Comme moi, je serai à les légendes, hein Voilà, les bisous. <laughs> euh, bah, sans plus attendre, je fais venir la petite bannière. Cette fois-ci, je ne l'oublie pas. <laughs> il y a du Je dis il y a du progrès ce soir. Et, et bien, bah, bonsoir à notre invité. Bonsoir Magali Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Puis bonsoir au, au chat. Enfin, si on appelle ça comme ça, aux gens qui sont là. oui, oui. <laughs> je ne je sais, sais plus comment on dit en québécois. Il y a d'ailleurs un nom pour ça. Les clavardeurs. C'est la boîte oui. à clavardage. Donc du coup, c'est ça. Clavardeur. Ça voilà. <laughs> les clavardeurs. Peut-être. <laughs> écoute, des clavardeurs. Donc on, on est là pour euh, ouais, 40, 40 minutes, pas plus, hein, parce que c'est ce qu'on s'est dit. Hein. On va faire ah court bon ce soir. Hein. Oui, très court. C'est mal J'aime bien l'optimisme. Hein. C'est oui, oui, bien, oui. bien d'être optimiste. Non, mais voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, quand on dit 40 minutes, généralement, ça, ça, ça va plutôt sur les 1h30, 2h. Hein, voilà. Enfin, on verra. Voilà. Le temps d'un film, quoi. Là, et exactement. 20, plutôt voilà. que de regarder un film, vous allez écouter des choses ah. intelligentes. Exactement. Pas de moi, en tout cas. Mais des choses intelligentes. <laughs> ah oui, oui. On oui, oui on <laughs> on peut encore peut une rediffusion d'un truc qu'on a déjà vu. <laughs> oui, vois, ça, ça va être un truc comme ça. Oui, alors, ça, vous n'êtes pas encore euh, au, au point ici. Ça va faire ça. C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Les bonnes refs. <laughs> il va avoir quelques-unes qui pop à des moments donnés. ne vous inquiétez pas, tout est sous. Ouais, Ce soir, c'est le Boomer Stream. Oh là là. Oui, oui, mais, mais il n'y a pas que ça. Ah <laughs> Ah, ah, ah très bien. Il y a aussi de l'autre page ah. Oui, oui, je vais ah, essayer oui. de m'en abuser, mais il y en a. <laughs> moi j'aime bien ça. C'est un des ah, grands apports bah, de, la, de la technologie moderne. Oui, avec, ça. Les, avec les chats et les, les diffusions en direct. C les... Ouais, et puis, et puis généralement les gens, quand ils en ont marre de moi, tu vois, ça donne ça. C'est honteux voilà. <laughs> <laughs> voilà. Je te passerai les si veux. <laughs> Ouais, alors, moi, je, bon, j'en ai certains, sur ma chaîne, mais, euh, on passe par, euh, par autre chose. Mais moi, c'est plutôt, j'ai mis du Fast and Furious et j'ai mis du Disney, tu vois. C'est bah, pas ouais. les mêmes euh, références. C'est pas Ouais, voilà. pas voilà. le générationnel, quoi, bon, tu vois. Pas La famille, c'est important. <laughs> tu vois, les trucs comme ça. <laughs> moi, c'est plutôt no, ça. On se risque sur le, le bizarre. Voilà. <laughs> C'est plutôt ça les références, tu vois un peu l'âge tout de suite, hein. ça, tu vois le euh, gap. Bien. Et on aura tout Et ce soir, c'est bien. <laughs> voilà. J'espère que je vais pas faire fuir tout le monde. <laughs> bonsoir Chamaël, bonsoir Robin Vador, euh, bonsoir Feldwin, Aranita, qui est dans le chat. Donc voilà, euh, Aranita, alias Marilyn, qui te fait un bisou Magali, hein, donc comme ça c'est fait. Bah, je fais voilà. un bisou aussi, parce que j'aime bien les bisous. Et, ouais. <laughs> Et ben bah, écoute, bah, je vais te laisser commencer gentiment mon cher KFR pour une fois. Oui. Oui, oui, oui forcément. Oui, oui. Comme d'habitude, vous savez, les amis, on va commencer par les habituelles présentations. Savoir un petit peu, Magali, rapidement, le parcours qui est le tien et euh, ce qui a pu t'amener dans l'imaginaire avant qu'on te pose des questions un peu plus précises et que l'autre mmh. t'oblige à prendre position sur certaines choses. Mmh. Évidemment, <rire> polémique, <rire> toujours. <rire> Ou <pas. rire> bah, Moi, je, euh, bon, je m'appelle Magali Villeneuve. Ça, c'est vrai, ce n'est pas un pseudonyme. Euh, je suis illustratrice de l'imaginaire depuis 2006. Euh, alors, mon parcours, il est, facile à, il est facile à raconter parce que je suis autodidacte. Donc, il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas <laughs> eu d'école, il n'y a pas eu de formation, euh, si ce n'est ben, une formation toute personnelle euh, que j'ai inventée et créée au fur et à mesure pour euh, me mettre euh, au niveau. Et donc, quand j'ai commencé, du reste, euh, j'avais quand même 26 ans. Donc, j'avais avant cela un parcours professionnel des plus... Euh, Classique, on va dire, en passant de logisticienne et agent de tri à la poste à gardienne d'immeuble Paris 18e. Donc, des choses <laughs> qui n'avaient vraiment rien à voir avec ce que, ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Donc Après, euh, pour vraiment brosser le, le parcours professionnel, moi, j'ai vraiment commencé dans la très, très, très petite édition. Pour terminer aujourd'hui, bah, dans des firmes plus importantes euh, comme Wizard of the Coast, par exemple, je pense c'est de celles que les gens connaissent le plus, en tout cas euh, non, dans bon, mon palmarès. Fait... Je connais pas, je pratique pas ces trucs. C'est vrai, bon, non, on va tout de suite arrêter cette interview. Donc. <laughs> du jeu, de rôle, jeu de drôle, du jeu rôle, de l'horreur. tout d'avoir des super ah. références, en, voilà, en même là, Colanta, machin et tout. <laughs> c'est pour ah. pas connaître Magic <laughs> l'Assemblée. Hein. <laughs> Moi, je faisais ah. littérature ce soir, on m'a menti. <laughs> <laughs> ah zut c'est trompé, trompé de stream il <laughs> y a des très très bons articles de lore sur Magic si tu aimes la littérature hein. bah, écoute, oui Louis, en plus tu... il voilà, y a du lore dans Magic c'est pas juste euh... il <laughs> y a quoi lire et euh, bah, du coup comme, comme tu parles d'autodidacte tu as, as commencé par, euh, par quoi exactement du, du dessin, croquis, euh, fusain machin ou directement sur ordinateur comme ça fait non parce que moi je suis beaucoup plus âgée que ça euh, je suis une personne âgée et quand j'ai commencé à dessiner, j'avais à peu près 12 ans, euh, sous l'impulsion de, de ma découverte de La Belle et la Bête de Disney. et euh, donc Je me suis mise à dessiner tout d'un coup à 12 ans. Avant ça, je dessinais comme les enfants dessinent, c'est-à-dire c'est très sporadique. Et donc, évidemment, bah, c'était quoi Du crayon et puis du papier, tout simplement euh, et pendant très longtemps, ça a été ça. J'ai tout essayé. C'est l'avantage d'être en roue libre. Donc, oui. euh, je me suis essayé évidemment au crayon, au graphite, qui reste encore aujourd'hui hein, une technique de prédilection pour moi. J'aime beaucoup oui. travailler le noir et blanc, l'éclair obscur. Donc, ce sont des techniques qui s'y prêtent. Oui. Puis, je me suis bien aussi adonnée euh, à tout au fusain, euh, peinture acrylique, peinture à l'huile, aquarelle. Moi, tout tout, tout, tout m'intéresse. Donc, finalement, ma formation, quoique euh, très euh, faite maison, euh, c'est quand même une formation classique, dont j'ai quand même de, de beaux restes aujourd'hui. Hein. Je suis encore capable de, de faire des peintures à l'huile, <laughs> C'est mmh. pas le problème. Mais c'est quand j'ai voulu me, me professionnaliser. Donc, euh, évidemment, l'outil, le, le digital painting, a vraiment euh, pris son essor au euh, début des années 2000. Ouais. Et euh, j'ai vite compris qu'il valait mieux prendre le train en marche parce que je sentais okay. bien que, euh, euh, en termes de compétitivité, ça allait quand même devenir important. Et puis, en plus, ça, ça ouvrait quand même beaucoup la clientèle parce que, évidemment, d'être. Euh, Digital Painter, ça, ça fluidifie beaucoup les échanges avec les clients quand même. Ce n'est pas obligé, euh, je, je tiens à faire le disclaimer là maintenant tout de suite, ce n'est pas une obligation d'être digital painter euh, encore aujourd'hui. Moi, j'ai des collègues tout à fait bien installés qui sont des peintres classiques euh, et qui travaillent pour les mêmes licences que moi. Ce n'est pas du tout une entrave. Mais même eux euh, maîtrisent quand même un peu de Photoshop et un peu de, de Digital Painting parce que... Ben vous savez, pour faire une retouche, des choses comme ça, ne serait-ce que ça. Et c'est quand même bien pratique. Ouais, Donc, moi, voilà, vrai. je m'y suis mise. Et comme tout le reste, j'ai appris euh, sur le tas. J'ai d'abord commencé à la souris. Alors, Photoshop à la souris, je ne vous raconte pas. Mmh. Il <laughs> enfin, y, y en a qui le font. Je trouve ça formidable, euh, mais c'est quand même un, un défi. Puis après, voilà, je me suis procuré ma première tablette, etc. Donc, vraiment. Euh... Et encore aujourd'hui, j'ai une utilisation de Photoshop qui est rigolote, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas du tout technique. J'ai totalement importé ma technique tradie dans Photoshop, ce qui fait que j'ai probablement une des techniques numériques les plus laborieuses et pénibles à regarder parce que bah, c'est comme, euh, comme un process de, de peinture. C'est la même chose. C'est très peu technique. C'est pas très technologique surtout. <laughs> ouais, c'était. Euh, je me souviens qu'on a, on a discuté avec, euh, avec François Baranger. Lui, il a connu la, la glorieuse époque comme moi de l'Amiga, de Luxe Paint, tout à la souris. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est terrible. Oui, mais, ah bah oui, euh... bah, oui, mais après, tu, tu sortais de là, tu vois, tu étais, étais formé à la dure. Ah <laughs> oui, 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 oui. Après, <laughs> le stylet, <laughs> c'est trop <vraiment> facile. <laughs> et tu, alors juste, Après, je te, te relève la main, KFR. Le, sur tablette euh, graphique, donc, du coup, c'est plutôt Wacom, XP-Pen, tout ça. C'est le moment placement place. Ah, totalement pour... Wacom. Hein. <laughs> ah, D'accord. Ouais. C'est Wacom depuis le début, et puis après, voilà, on, on a ses petites habitudes. Moi, j'aime <laughs> beaucoup Wacom. Je trouve que moi, j'aime bien. Voilà. Le, le truc, il ne me pose aucune question, euh, je lui parle pas, elle ne me parle pas, elle fait son taf, ça dure des années, ça s'abîme jamais. Euh, même limite, moi, je, je change mes tablettes pas par nécessité, je change mes tablettes pour faire plaisir à ma comptable, en gros. <laughs> mais, mais c'est vrai. Quand votre comptable vous dit, bon voilà, madame Vilna, va peut-être falloir faire des frais professionnels, alors tu es là, tu t'es fait d'être créatif. Qu'est-ce que je peux changer Alors il est, est temps d'aller au restaurant euh, il est passé dessus. <laughs> oui voilà, c'est ça. <laughs> du coup, euh, on a un setup de fou. Euh, voilà, euh, c'est fou. <laughs> ouais, entre, entre les tablettes, les frais de resto et d'hôtel, parce qu'il faut tester la tablette, mais pas chez soi, pour être sûr de bien maîtriser. Oui, les voilà, bien sûr. fait les bons frais pro. Il d'être trimballé, euh, bien sûr. Encore okay. plus créatif que moi, toi, je vois. <laughs> J'ai une femme euh, qui m'explique tellement de choses, <laughs> c'est <laughs> <but très> bizarre. <laughs> je ne dirais pas son métier, parce qu'elle veut pas. Voilà, ça doit être un métier genre. Euh... Dans la fiscalité, un truc. Contrôleuse. Contrôler dans les trains. Non, en général, quand on ne le dire, c'est qu'on a peur de se faire balancer des trucs. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un métier impopulaire. Moi, je dis contrôleuse fiscale. Voilà. Tu lui de le rire. Il a du que qui gonfle comme ça. <laughs> <Agence secret. rire> Nous dit le chat. ça c'est ce qu'on appelle la diversion du poisson lune <laughs> oui, oui, oui 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 moi je dis rien j'ai été syndic de copro tu vois dans le genre métier de merde <laughs> c'est pas mal aussi, quoi. Pas tous les jours ça non plus euh, quels ont été les, les paliers les étapes qui t'ont attiré vers l'imaginaire pour travailler ma, dedans aujourd'hui bah, ça c'est une bonne question parce que finalement au départ j'étais pas si attiré par l'imaginaire que ça euh, mais mes influences premières, c'est plus des choses classiques, que ce soit picturalement, cinématographiquement ou encore en termes de littérature. Euh, lorsque j'ai découvert mon premier livre de genre fantasy, c'était euh, pareil, début des années 2000, c'était La roue du temps de Robert Jordan, c'était sous la recommandation d'une amie euh, finlandaise. Euh, les Finlandais euh, sont, font partie des... Des gens qui ont. Euh, ils sont à fond dans les littératures de l'imaginaire. C'est À l'époque, en tout cas, c'était bien plus répandu et plus respecté que ça ne l'était en France. Ouais. J'ai halluciné quand je suis allée en Finlande, quand j'ai vu les, les, les rayons de, de fantaisie qu'il y avait là-bas, mais à côté, on passait tellement pour des gros tagazous, quoi. Ça n'avait rien à voir, en tout cas, à l'époque. Et, euh, et donc, c'est grâce à elle que j'ai découvert ben, mon premier livre de genre, enfin, pas des moindres, quand même, parce que. Ouais. La roue du temps, c'est quand même une œuvre majeure et puis une œuvre dense. Et je pense, alors, pour qu'on ne soit pas effrayé par le fait de lire des gros pavés, c'est une porte d'entrée merveilleuse, quoi, parce que c'est, enfin, c'est un livre qui, qui est très respectable. C'est fabuleux ce mmh. qu'a créé Robert Jordan. Et euh, alors oui, ça a vraiment été une révélation pour moi. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, le, le genre de l'imaginaire n'a pas remplacé pour moi. Euh, le, le, la littérature plus classique moi j'aime bien la littérature classique alors quand j'ai quand j'étais plus jeune notamment moi j'étais à fond euh, littérature du 19e euh, le, le gros classique français quoi mmh. et, euh, et puis pareil mes influences euh, en termes artistiques sont également bien plus classiques. je, je je baigne très peu euh, par choix aussi dans mon propre milieu, c'est-à-dire que bien sûr, je regarde ce que font mes collègues, je, je m'intéresse, mais c'est pas là que je trouve mon inspiration. Mais même presque je, je ne veux pas trouver mon inspiration là parce que je pense que c'est un moyen très sûr pour se stéréotyper mmh. ou euh, mmh. se donner des complexes parce que de toute façon euh, dans nos dans nos milieux, on est on est confronté que à des gens euh, formidables, des, des artistes incroyables qui te sortent mensuellement des trucs. Euh, moi, je vois, je, travaillant pour Magic, à chaque fois qu'il sort un set sur lequel j'ai travaillé, je vois ce qu'on fait les collègues et je suis là... Bah! <laughs> Donc, euh, non, moi, je, je préfère rester dans, euh, dans ce qui, je pense, euh, est euh, la nourriture de base d'un artiste. Euh, je ne crois pas trop, moi, euh, en cette... Euh, comment dire cette culture personnelle qui viserait à croire que... Il euh, y, y a des gens qui fonctionnent un petit peu comme ça. Tu as l'impression que le, le, le monde, quel qu'il soit, artistique ou euh, de, de, du divertissement, a, la musique, le cinéma, n'a commencé que l'année de leur naissance. quoi. Non, je trouve ça super triste. Et ah bon j'aime beaucoup... Euh, voilà, je, je, voilà je, moi, je suis intéressé par tout et euh, même par les vieilles choses. Surtout par les vieilles choses, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est là qu'on qui a une, un leg intemporel, on va dire. Les modes euh, artistiques passent, les choses qui ont su rester méritent qu'on se penche dessus, parce que c'est peut-être là que se trouve euh, une espèce de quintessence euh, artistique, je pense. Et, euh, tiens, bah, ça, c'est une petite question personnelle. Toi, c'est euh, quels artistes Il euh... que y, y, y a des trucs que je, qui, qui m'y font penser, tu vois, euh, dans, les, dans les romantiques début 19e, des Frédéric, des choses comme ça. Il y, a, il y a des poses, des trucs qui me font penser un petit peu dans, dans tes dessins. Hein. Ben, pour, euh, pour pour résumer, euh, moi j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les Pré-Raphaélites. Je pense que ça se voit un petit peu quand même euh, dans, dans ce que je fais. Euh, j'aime beaucoup, un tout petit peu, un hein, tantinet. J'aime beaucoup l'art voilà. nouveau euh, également. J'aime beaucoup les Italiens, euh, plutôt les Caravagistes, euh, mm. particulièrement, enfin plutôt particulièrement les Caravagistes. Euh, voilà des, des, des choses comme ça moi euh, de manière générale j'aime ce qui va se concentrer sur la représentation humaine euh, crédible lyrique gracieuse euh, travaillée subtile euh, je trouve que c'est ça pour le coup on parlait d'un leg qui était important mais je trouve que c'est ouais là pour le coup c'est un leg essentiel que je pense les artistes doivent pas perdre c'est-à-dire cette approche un petit peu académique euh, de la représentation, alors qu'elle soit humaine, animale, architecturale, euh, je trouve que ça c'est un passage euh, qui doit être obligé quoi, euh, pour ensuite pouvoir, quand bien même on se dirige vers des choses plus cartoonesques, plus stylisées, plus punchy, plus modernes, quand on a oui. une base comme ça, un, un terreau euh, classique académique, ça ça ouvre tellement de, de possibilités ensuite euh, oui. que juste se, se, se limiter à un genre, à un style. Euh, Travailler les points de fuite, le mannequin, les poses, etc. Enfin... Ouais. <coughs> Pardon. Non, t'inquiète pas. Hein. pas. <laughs> non mais quand j'ai chat dans la gorge, j'essaie de le faire sortir. Tu vois, parce que le pauvre, il a rien demandé. Wow. <laughs> euh... <laughs> oh Tu fais super bien le chat. Oui, mais j'en ai un, alors je pratique le, le langage chat quotidiennement. Moi aussi, mais je le fais très mal quand même, tu vois. Pas le et oui, mais euh, je suis un couteau suisse illustratrice et imitatrice à partir de 21h. C'est honteux Bien, on faut les fins de mois, ouais, je comprends. <laughs> ok. Euh, on va mec... pas trop, je, je propose pas trop forcer tout, tout ce qui est euh, étape, inspiration parce qu'après on a toute une partie sur euh, oh. la partie illustratrice. Donc on va, on va rester un petit peu en surface, mais on a plein de trucs. Et, oui, oui, oui j'ai plein de vieilleries à montrer, du style ça par exemple. On va en parler <laughs> dans les différentes étapes. Hein ah oui, d'accord, cela là c'est le chapitre archéologie. Oui, oui ouais, archéorolisme, arché même, de 2009. C'est lui, l'archéoroliste le, le, <laughs> Oh, voilà. je vais chercher les trésors. Euh, ouais. J'avais une petite question qui a été passée ici par notre hôte. Alors, je ne sais pas oui. ce qu'elle fait ici, mais je vais la poser mais là, maintenant. Oui. Mais Moi, je, je... ouais mais je serais assez intéressé tu nous parles rapidement, euh, avant qu'on passe sur le, le travail d'autrice, la, la différence. Qui existe, qu'on soit dans le juridique et tout, par rapport au droits d'auteur français et aux droit d'auteur aux US. Toi, tu toi, es maintenant boss pour des boîtes euh, américaines. Comment ça marche, la droit d'auteur, réutilisation des œuvres, etc., propriété d'une œuvre Comment ça fonctionne Alors, ça, c'est des, des choses qui sont difficiles à simplifier, mais en gros, c'est plutôt des questions de philosophie. C'est-à-dire que au... dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire c'est plus des pays qui sont régis par le common law. Euh, c'est des pays donc, qui vont appliquer le copyright, mmh. et nous, c'est plus, plus ce qu'on appelle le, le droit d'auteur. Bon. Mmh. Le copyright, en fait, euh, comment dire, euh, ça s'intéresse plus à la protection de l'œuvre sur le plan économique, alors que le droit d'auteur va plus s'intéresser au droit moral de l'auteur mmh. par rapport à son œuvre. Donc, déjà. En fait, on pourrait presque considérer que c'est complémentaire. C'est-à-dire que à l'heure actuelle où c'est vrai que l'illustration, ça s'est quand même beaucoup professionnalisé, donc évidemment beaucoup d'illustrateurs se retrouvent confrontés à la problématique. Alors c'est vrai de leur droit moral sur leurs œuvres, mais aussi de, 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 du, du problème de la sphère économique. Comment? Vendre l'illustration et comment ensuite protéger le fruit de cette vente euh, Dans quelle, dans, comment dire, dans quelle étendue euh, l'exploitation Enfin euh, voilà, quelle est l'étendue de, 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 de l'exploitation permise par la cession des droits, etc. Donc euh, donc voilà, ici si, si il fallait résumer, je, je l'espère clairement la, la différence euh, entre les deux, c'est ça. Euh, moi évidemment travaillant beaucoup pour les États-Unis, c'est quasiment tout ce que je fais. Mmh. c'est plus une question de copyright qu'une question de droit d'auteur. Enfin, mon droit moral, euh, il n'est pas vraiment protégé. C'est-à-dire qu'à partir mmh. du moment où, où je vends euh, les droits d'une du, illustration aux États-Unis, cela leur ouvre la possibilité d'en faire absolument ce qu'ils veulent, l'étendue hein. okay. de, de, de l'exploitation. Alors évidemment, il y, y a des contrats qui sont signés en amont. Mmh. Ensuite, vous êtes d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord avec, voilà c'est ça le truc parce qu'il faut pas dire non plus que ah ouais, les méchants Anglo-Saxons ils nous rachètent tous nos droits et après ils font n'importe quoi c'est pas vrai si vous avez accepté que, que ça, ça allait être comme mmh. ça alors moi je suis tout à fait à l'aise avec ça c'est-à-dire que je, je fais une distinction très claire entre mon travail de commande que je fais pour mes clients et donc pour les intérêts de mes clients. Et les choses que je fais pour moi-même et qui, là, bon, bah, évidemment, sont régies par le droit français. Et là, j'ai oui. un droit de regard dessus. Je, je décide comment c'est. Enfin, à peu près, <laughs> avec Internet, bon. Je décide comment c'est utilisé, par qui, comment. Hein. Mais euh, voilà, il faut. Euh, quand on prétend travailler pour euh, un pays du common law, euh, il faut en accepter euh, les règles ou ne pas travailler pour un tel pays. Parce que. Euh, vous ne, vous ne les ferez Et pas plier au principe du droit moral. Ce n'est pas, uh -huh. pas la question. Ça ne fait pas d'eux des méchants de personnes, c'est juste que le droit est différent. C'est le droit. Voilà. Okay. Voilà. C'est pour Donc... ça qu'on va retrouver des illustrations que tu avais faites pour FFG, le jeu de cartes Star Wars, dans des oui. jeux de rôle, du coup, ah oui, également. C'est voilà. ça. Euh, ce L'illustre... Enfin, comment dire L'utilisation première, c'était pour le jeu de cartes évolutif oui. de Star Wars, euh, mais... En aucun cas, c'était le, le, le. Voilà. Et, et en aucun oui. cas, c'était la, la, seule, la seule utilisation permise par ma session de droit. Euh, FFG, ont, et, et ne s'en sont jamais privés. Énormément des illustrations que j'ai pu faire pour Fantasy Flight Games, et quelle que soit la oui. licence. Alors, Star Wars est un très bon exemple, mais je pense que, que l'épiphénomène, c'est le Seigneur des Anneaux. Ou alors oui. là, euh, ça a été utilisé, réutilisé, réutilisé, mais depuis des années, sur plein de supports, plein de rééditions, de réimpressions, de machins. Oui. Et c'est normal, c'est absolument normal. J'ai accepté à la base que pour telle somme que, que l'on m'octroyait pour une pièce, eh ben ensuite, ils allaient pouvoir en faire… Euh, Tous ces produits temps. dérivés, les tapis de jeu, les formats numériques ouais, pour un jeu, sûr, etc. Sûr. De cartes, ils seraient euh, sur Steam, euh, etc. On, on, on ne touche pas. En fait, on ne va pas toucher de supplément juste parce que ça va être euh, réimprimé. disais euh, dix ans plus tard. Quoi. Voilà, Alors, exactement. C est c est euh, tard, est... a... Par la même compagnie, hein, entendons-nous bien. Mm -hmm. Quand ensuite il va y avoir par exemple une compagnie qui va, une autre compagnie qui va vouloir utiliser ses illustrations, là ça peut faire l'objet d'un rachat de droits. Oui, et là oui, l'illustrateur peut être amené à toucher à quelque chose pour, 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 mmh. pour, pour le rachat de ses droits. Par contre, normal. attention, il y a quand même la, la matérialisation parce que c'est ça, compagnie en fait, hein, c'est la matérialisation de, de l'œuvre. Mmh. Et, euh, et, et quand on signe effectivement, que ce soit en copyright ou en droit d'auteur, c'est la même chose. Si tu prévois que ton illustration, elle, elle va rester telle qu'illustration pour euh, cartes, euh, etc., ils ne vont pas sortir de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire un, un rideau de douche, par exemple. Mmh. Oui, Alors, oui, voilà. Mais ça c'est régi par le contrat qui, qui détermine l'étendue le, okay. de... Oui. de ce que tu peux faire avec l'œuvre. Okay. Euh, ouais. Pour te faire un, vraiment un, un truc très rapide là-dessus, parce que j'ai bossé là-dedans, le droit d'auteur, en fait, français, il reprend le copyright dans ce qu'on appelle le droit patrimonial. Mmh. savoir que c'est l'éditeur effectivement qui va avoir le droit d'utiliser l'œuvre comme je viens de le dire sur des supports qui sont définis dans le contrat tu pourras pas en sortir c'est pour ça qu'ils étaient très embêtés d'ailleurs les éditeurs à un moment donné quand on est passé sur les audiolivres et tout parce que ce n'était pas prévu dans les premières moutures de contrat mmh. par exemple hein. et, euh, et le droit moral là, la française que les anglo saxons nous envient et je sais qu'il y a des pressions pour que ça arrive un jour chez eux mais c'est compliqué parce que c'est euh, ce qui permet d'avoir un droit de regard alors ça n'empêche pas qu'on utilise ton œuvre ça empêche qu'on en fasse n'importe quoi. Oui. Voilà. Et donc je vais, je vais te donner un exemple euh, qui est très parlant le bossu de Notre-Dame chez Disney. Tu te dis, bon, bah c'est bon, l'œuvre de Victor Hugo est dans le domaine public. Pas de problème, donc ils pouvaient l'utiliser. Sauf que tu as les descendants d'Hugo qui sont arrivés, là, là, c'était une fondation, enfin, bon, peu importe, qui sont allés voir Disney en leur disant là, vous faites n'importe quoi, donc euh, ça va pas le faire. Donc Disney a obligé d'allonger le carnet de chèques. Mmh. Pour, pour, euh, pour négocier. Ah, ah, bah oui. C'est-à-dire négocier le droit de faire n'importe quoi Exactement. <laughs> eh oui, c'était le droit de pouvoir exploiter les personnages comme eux le souhaitaient. Ah, d'accord. Et... Ah, oui, oui. Ouais, ouais. C'est pour ça que du coup. Mais sinon, c'est parce, ce... parce que les, les, les ayants droit ont accepté, ils auraient très bien pu poser un veto ferme à ça. Ils auraient pu en fait. un veto, tout à fait. Exactement. Tout enfin, tout ouais. <laughs> bah, en fait, pour, pour avoir participé à des négos de contrat dans ce domaine. Euh, T'as as deux pays où c'est compliqué, enfin compliqué non, euh, qui sont prévisibles, c'est les États-Unis, écocher euh, en euh, Angleterre et autres. C'est parce que là-bas tu discutes pognon uniquement. Mmh. Franchement, les, les clauses c'est très rapide à négocier, les clauses ça se fait en l'espace de même pas une journée. C'est vraiment le pognon qui va déterminer euh, euh, ta négociation et le Japon. Mais alors là on va pas en parler parce que j'en ai pour deux heures à vous expliquer. Pourquoi c'est des fous furieux <laughs> De manière générale, ce sont des fous furieux. C'est bon, spécial. Ça. Parce que tu es obligé de passer par le ministère de la culture japonaise avant de faire quoi que ce soit. Tout transit par eux. Mm. Voilà. Mm. Bon, bref. Donc voilà, c'était la petite aparté sur, les, sur la question juridique qui, est, qui a quand même son importance hein, pour euh, bah, déjà pour toi parce que tu travailles dans ce milieu oui, et puis bah, toutes celles sûr. et ceux qui nous écoutent qui ont envie de se lancer, mm. voilà, euh, faites-le en connaissance de cause quand même quoi. Oui, <laughs> oui, 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 bien sûr. Oui, il faut, faut vraiment être conscient de ce qu'on ce, ce qu accepte quand on signe certaines choses, mmh. quand même. Ça t'a obligé, toi, quand tu as commencé à travailler, je crois que fa euh, Final Fantasy Fight Game, rien à voir, euh, Fantasy Fight Game, <laughs> amalgame. Euh, petite, euh, tu... Un petit match-up. <laughs> C'est ça, oh, génial. Euh, tu t'es senti obligé de prendre euh, peut-être un, un avocat, une personne référente quand t'es passé comme ça à l'international, tu t'as eu assez confiance et c'était assez clair moi j'ai fait ça comme j'ai fait le reste, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris au fur et à mesure. Euh, non, non, j'ai jamais mmh. eu de eu à… de recours. J'ai essayé de me documenter, de comprendre, de lire. Alors, je par contre j'ai jamais signé sans lire. Ça c'est c'est un fait. Mmh. Mais euh, mais je me suis toujours efforcé. Mais ça c'est aussi le, la force de l'autodidacte. C'est que l'autodidacte va vraiment avoir le, le euh, une grande capacité je pense à, se, à accepter de ne pas savoir et de vouloir savoir et de se donner les moyens pour, euh, pour s'instruire parce que c'est comme ça qu'on se forme. Et c'est pour ça, comme pour tant de, alors évidemment, attention, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de plein de domaines, même dans ce qui gravite autour de mon domaine, mais suffisamment pour mettre jamais fait rouler dessus. Euh, voilà. mmh. Et d'avoir, voilà. comme je le disais encore une fois, et d'être toujours bien consciente de ce que je faisais et dans quel cadre je le faisais. Bon. Alors, déjà, premièrement, un petit coucou à Olivier Sonfilippo qui est dans le chat, qui, yes. fait, qui te fait un coucou aussi, Magali. Coucou. Euh, <laughs> et puis, euh, alors Chamael du coup, qui travaille aussi dans, dans le milieu de la propriété intellectuelle, on en a déjà discuté tous les deux en off. Donc, effectivement, le droit moral est incessible, imprescriptible et inalignable, et surtout, il n'est pas territorial comme le droit mmh. patrimonial, comme le copyright. Ça veut dire que, imaginons que tu as signé ton contrat avec les Anglo-Saxons de chez toi, mmh. c'est toi qui as posé la signature en dernier, mon contrat mmh. est en France. Donc, tu as toujours un droit moral dessus, de toute façon. Virtuellement, bon. bien sûr. Virtuellement, ouais. après, il après... faut arriver à le <laughs> négocier, si on a envie. <laughs> Voilà, bon bref, c'était la petite partie, mais c'est toujours intéressant d'avoir. Euh, oui, parce que c'est un fait, c'est la vérité. Bah, <laughs> c'est avec ça qu'on travaille. <laughs> Et oui. oui. Euh, bah, écoute, alors bah, là, on va attaquer la partie qui m'intéresse un, un petit peu quand même. C'est que, tu, tu, au-delà d'illustratrice, tu, tu as touché un petit peu euh, bah, à la littérature. Oui. Tu, as, tu as écrit donc euh, bah, deux, deux romans, donc mmh. le cycle de la dernière terre, hein, si je dis pas oui. de bêtises, c'est ça, chez l'homme sans nom, en plus. Mmh. Oui, à l'époque. Euh, oui, c'était une petite dizaine de mains, un petit point de ans. Oui, à peu près. Tu dis à l'époque parce que tu as été réédité. Ah oui, tu t'es réédité avec Doceima. Je pense peut-être mal mais Doceima. Oui, c'est-à-dire que La Dernière Terre a été publiée pour la première fois par les éditions de l'Homme sans nom, qui ont publié le tome 1 et le tome 2. Et ensuite, au fil des années, moi j'ai préféré racheter mes droits pour. Euh, publié par la suite une intégrale qui, euh, qui rassemblait les deux premiers tomes. Euh, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran là, l'intégrale se présentait comme ça. Alors, tout est fait maison par euh, mon mari et par moi-même. Euh, et on avait vraiment tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire que ben, de, de la gestion des précommandes jusqu'à euh, l'habillage, préparation pré gestion des envois, emballage, parce que c'était un coffret de fou, il y avait deux coffrets différents. Euh, hyper de luxe dans des boîtes euh, hyper belles. Il y avait même un DVD avec euh, des interviews. Ah, ouais. euh, ah oui, oui, oui. On avait fait, vraiment fait. On avait. C'est aussi une des choses qui avait motivé. Alors, euh, c'était pas la, 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 la seule chose, mais une des choses qui avait vraiment motivé ce rachat de droits, c'était vraiment de pouvoir. Parce qu'un éditeur, euh, il n'a pas qu'un seul auteur. Il faut bien qu'il finance ouais. tous les autres. Et euh, oui. il peut pas faire des éditions, pas possible, oh. c'est tout à fait normal. Surtout à l'époque, il n'y avait pas encore tout ça. Quoi. Comment À l'époque, il n'y avait pas encore tous les, toutes les versions de luxe, j'achète page et compagnie que, que tu vois et maintenant. Puis, euh, à l'époque, L'homme sans nom, c'était vraiment un tout petit truc. Alors oh. forcément, bon, bah, ils, je trouve que déjà, ils faisaient un très bon travail, malgré les moyens qu'ils avaient. Et, euh, mais nous, avec mon mari, parce que mon mari, il est co-scénariste hein, sur La Dernière Terre, oh. en plus de l'illustrer avec moi. Et euh, on avait des envies de... Euh, mon mari, il est très collectionneur. Voilà. Et euh, donc lui, il voulait des illustrations intérieures, on voulait de, de l'argenture, on voulait du simili-cuir, on voulait des trucs comme ça, on voulait des, des ajouts, des goodies. Et, euh, et donc voilà, pour, pour pouvoir le, le faire... Euh, dans la, la proportion, dans la dimension qu'on voulait, ben voilà, on a on a récupéré nos droits et puis de toute façon, moi, euh, ce rachat de droits est, est arrivé à un, à un moment assez pivot de ma carrière. C'était celui où ma carrière euh, chez Magic euh, prenait vraiment de l'ampleur mmh. et concilier le, 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 les devoirs et les impératifs d'un auteur dans une maison d'édition, mmh. moi, c'était pas tenable pour moi. À la base, le, le, le travail d'écriture est une passion. Mais je n'ai jamais eu l'ambition d'en faire quoi que ce soit de professionnel. Donc euh, euh, la chance que j'ai eue, c'est que vraiment le, le, la publication chez L'Homme sans nom a, a fonctionné. Ça nous a rassemblé un lectorat mais tellement plus large que ce que j'aurais cru. Enfin, moi j'étais presque dépassée par ça parce que je, je ne l'ai pas du tout cherché. Euh, la publication chez L'Homme sans nom, elle, elle s'était faite très simplement où, où l'éditeur. Il savait que j'écrivais, il m'avait demandé est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble. Ben oui, oui, bien sûr, pas de problème. Et puis un jour, il me dit, euh, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien publier la dernière terre. Et moi, je, comme j'étais pas seule en plus, je dis, allez, pour mon mari et pour moi, euh, allez, on tente le coup. Et, euh, mais vraiment, euh, tu vois, je me disais, bon, on va être le bouquin du fond à, à droite oui. du tiroir de l'homme sans nom, non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Et il se trouve qu'il y a vraiment eu une réponse du lectorat euh, à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Alors, moi, après, ça ne m'a pas mis de pression particulière. C'est-à-dire qu'encore oui. aujourd'hui, je reçois des messages de gens hey, c'est quand la suite machin. Euh... C'est ce que j'allais demander, d'ailleurs. Je ne me mets pas de pression par rapport à ça parce que ça se fera ça, c'est une certitude. Puisque ce troisième livre, il existe déjà à 70% en réalité. Mmh. Mais, mais je, je, ne, je ne peux pas faire passer ça devant tout le reste. Oui. Et, et ces hein. dernières années, c'est tout le reste qui a, qui a pris tout l'espace dans mon quotidien. Mais c'est ce qui me fait vivre. Donc euh, mes personnages, ils sont là. Ils, ils sont là et bien là. Je, récemment, pour Noël d'ailleurs, je crois que c'était pour Noël ou le Nouvel An, j'ai publié une une nouvelle annexe de la dernière terre euh, totalement libre de lecture comme ça pour, euh, pour les gens que ça intéressait. C'est dire, hein, si j'ai <laughs> une envie féroce de faire du pognon avec ça, allez-y prenez cette feuille <laughs> ça n'est pas un problème et, euh... et donc c'était cool parce que voilà c'était un peu euh... partager à nouveau quelque chose avec euh... avec les lecteurs moi j'adore écrire j'adore j'adore écrire ça c'est vraiment ouais, c'est un, un univers qui te qui te retente pour enfin d'y retourner un jour quand tu pourras ah mais moi personnellement j'y retourne souvent c'est-à-dire que je, je corrige les, les chapitres qui existent. Avec mon mari, on, on discute, on prend des notes, parce que c'est quand même une saga. Donc, ça ne va pas se résoudre en trois livres. On continue euh, tout le temps, en fait, à, à trouver des idées, prendre des notes, remanier, etc. Moi, je relis pour euh, me garder en tête, parce que c'est quand même un gros univers avec beaucoup de gens, beaucoup de fées. Donc, il faut, ouais. faut le garder frais. Mmh pas des assistants là, qui me disent ⁇ Ah oui, non mais rappelle-toi ce personnage du tome 1, là, il lui est arrivé ça, 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 puis c'est la soeur de bidule qui a été tuée par machin. ⁇ Non, ça, c'est... Je n'ai pas ça, donc cool. il faut que je garde dans ma tête euh, bien vivant, quoi. Oui, parce que sinon après, on a le syndrome euh, George Martin qui s'est perdu dans son œuvre. Ah. C'est ce que je peux comprendre, hein. Parce que, ah ouais, euh, ouais, 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 ouais. Il avec perdu un univers il a... colossal ouais. comme ça, puis ce n'est pas son seul truc. Hein, donc... Euh... En plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus de collectionner les trains. Calope. En plus de collectionner les trains. <laughs> ouais, <c 'est... rire> parce que c'est vrai que du coup, sur le, bah, la littérature, bon, moi j'avais adoré les, les deux tomes donc, euh, de, de l'homme sans nom qui, euh, qui, a, qui a bien grandi hein, de, depuis, hein, qui a fait son, son petit chemin, mm -hmm. qui publie pas mal de, de super trucs. Euh, et, et, du coup, bon, on, va, on va embrayer, tu vois, je vais te repasser la main, hein, KFR, sur la partie illustration, parce que tu illustres aussi beaucoup, beaucoup de romans. Mm -hmm. Je pense par exemple à une, une petite écrivaine qui débute aussi dans, dans le milieu, genre. Robin Hobb avec l'assassin royal quoi, par ouais. avec ouais. les éditions de luxe qui sont mais... à tomber <laughs> ah oui oui et puis ça c'était vraiment euh, ça je crois que en 17 ans de carrière euh, s'il si devait y avoir euh, un projet sur le podium euh, il y a celui là ça c'est certain là c'est vraiment la foi je pense euh, pourtant des œuvres qui me tenaient à cœur. Euh, ou des, des licences qui me tenaient à cœur, j'ai vraiment eu la chance d'y participer. Évidemment, euh, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, fin, voilà. on imagine bien que pour une, un illustrateur de l'imaginaire, ça fait partie des, des Graals. Ouais, ouais. Mais là, euh, avec l'Assassin royal, on touchait réellement à quelque chose qui euh, venait des tripes. C'est euh, le livre, c'est la saga de, de fantaisie qui m'a. Euh, mais bien même loin devant la roue du temps, hein, qui pourtant représente ouais. quelque chose de très particulier pour ouais, moi. Euh, moi, le, la, la trilogie des Loinvoyants, euh, ça m'a bouleversée, mais moralement, physiquement, euh, ouais. en tant que lectrice, en tant que. Enfin, c'était. Euh, je... enfin Il n'y a pas de mots. Enfin, je pense que tout lecteur a un ouais. jour rencontré un livre comme ça qui va vraiment. Euh, vous, vous, vous parlez, vous, vous transpercez. Mais moi, c'était ça. Ce, ce livre, il m'a transpercé de part en part. Quoi. Et, euh, et donc, le jour où, euh, où j'ai su que j'allais faire ça, parce que je n'ai pas postulé pour le faire, j'ai été choisie. Je, je suis fière de dire, je le dis à chaque fois, je suis fière de dire que j'ai été choisie par Robin Hobbes pour le faire. Ah ouais. euh, parce que. Alors. J'espère que ça va pas être pris pour de la prétention, parce que c'est pas ça. Mais je trouve que euh, entre ce qu'elle fait et ce que je fais, l'alchimie marche vachement bien. C'est-à-dire que c'était presque, enfin, ça coulait de source et ça s'est vu pendant le, pendant le processus. Ce que j'allais dire, je Alors, vous suivais, je suivais vos échanges à l'époque. J'avais encore oui. tous les Twitter. Je suivais vos échanges ouais. à toutes les deux. C'était génial, quoi, à suivre. Ben oui, mais parce que je pense que ben déjà ah, il y a vraiment alors une une forme d'affection euh, mutuelle qui s'est créée à travers ce projet. Oui, un oui, respect oui. alors euh, un respect évidemment euh, absolu et puis de de, 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 de mon côté il y a une très très grande admiration parce que pour moi ça reste encore inconcevable comment je, je, je n'arrive pas à concevoir comment on peut euh, accoucher d'une chose pareille et, je, et donc euh, du coup ce projet qui était à la fois euh, un rêve absolu a aussi été un des projets les plus difficiles de ma carrière, non pas parce que le client me l'a rendu difficile, comme je le disais, Robin Hobb a été un ange. C'est fidèle à elle-même. Ah oui, elle était euh, à la fois euh, impliquée, mais très respectueuse de. de de ma vision euh, elle était très peu intrusive mais, mmh. mais à la fois elle était vraiment dans le truc bienveillante et tout ouais. j'ai pas rencontré honnêtement c'est vraiment une... on pourrait s'attendre d'un auteur aussi important qui soit très très relou euh, avec son oeuvre, mais moi dans ma carrière c'est plutôt le contraire qui s'est prouvé mmh. c'est à dire que plus l'auteur était oh, incroyable et plus il était euh, très humble et très respectueux l'illustrateur mais l'inverse, c'est aussi parfois. Et... Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des fois, il y avait des auteurs. Et encore une fois, je peux le comprendre. Quand on a écrit quelque chose, on est très attaché à ce quelque chose. Et on en a forcément une image mentale précise qu'il est difficile de concéder à l'imagination d'un mmh. artiste. Or, une seule il faut savoir le faire parce que justement, quand on est auteur, il faut comprendre que l'image mentale qu'on va créer chez les gens n'est pas forcément celle que l'on a, nous, en tête. Mmh. Et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas respectable cette image là mais ça ouais. il faut je pense un artiste assez aguerri et assez mûr pour comprendre ça et par exemple Robin Hobb je pense qu'elle le comprend très bien c'est-à-dire que elle ne mélange pas la vision qu'elle a de ses personnages avec la myriade de visions possibles que peuvent en avoir ses lecteurs et donc comme je le disais ça a été aussi fabuleux que douloureux pour moi de faire ces 30 illustrations, puisque donc il y a eu trois livres avec 10 illustrations dans chaque livre, parce que c'était presque une mission pour moi de faire honneur au livre, de ne pas trahir le travail de Robin Hobbes, et ouais. aussi de réussir à exorciser euh, ce que j'avais, ce que je ressentais personnellement pour ces personnages. Parce que ça m'avait tellement hanté pendant des années que je me suis dit, ça y est, c'est le moment, là, ça va sortir. Oui, oui, oui. <laughs> Donc, avec Berry, et Fils, c'était presque un peu, piste, ouais, parce que un peu thérapeutique. Hein, mmh, euh, vrai. Vrai. Mais, mais euh, franchement, je, je, ça, ça a été. Quand, quand je parle de difficultés, c'est. Parmi les illustrations sur lesquelles j'ai passé le plus de temps, sur lesquelles j'ai le plus recommencé, euh, sur lesquelles je me suis le plus euh, remise en question, j'étais jamais contente, j'étais euh, très très pénible à vivre, je pense pour mon mari pendant, pendant cette période-là, mais parce que je voulais tellement bien faire et je voulais tellement pas euh, trahir cette œuvre que de toute façon, je pense que quoi que je Quoi que j'aurais pu faire, ça ne m'aurait jamais complètement satisfaite. Alors, il y a des illustrations. Fort heureusement, je suis contente d'être sortie de ce projet-là avec ce bagage-là. Il y a quand même quelques illustrations que j'ai faites pour cette trilogie qui, encore aujourd'hui, j'en suis très très fière parce que j'ai la sensation de, de voir. Voilà, je, je vois le fit que, que j'avais dans ma tête. Et ça, c est, c est pas, ça n'arrive pas tout le temps en tant qu'illustrateur. Je, je suis contente d'avoir réussi à le faire. Par moment, en tout cas. Ok. Ah, c'est touchant. Hein Moi, je trouve ça touchant, effectivement. Quoi C'est quelque chose qui est, qui est plus créé comme ça, un lien qui est plus créé, et puis que euh, la personne aussi derrière, hein, ça soit quelqu'un qui euh, ressent aussi les mêmes choses et qui soit extrêmement gentil, etc., comme on dit. Mais parce que, euh, mais touchant, encore une fois, euh, ouais. qu'on soit, qu soit auteur ou qu'on soit illustrateur, faut pas croire. Et, et c'est vrai que je pense que le. le... Les médias ou les réseaux sociaux aujourd'hui ont tendance un petit peu à, à déshumaniser les créateurs, c'est-à-dire, on fait beaucoup l'amalgame entre visibilité et accessibilité, entre succès et qualité, où on se dit que, enfin, vous voyez, on, on, les gens croient que parce que, vous allez être visible ou que vous allez avoir une carrière qui semble fonctionner, que vous devenez, en gros, une espèce de méga capitaliste euh, qui a plus de sentiments, euh, qui fait les choses de manière un petit peu robotique euh, pour l'argent ou pour la fame, mais on pourrait pas être plus loin de la réalité que ça. Et c'est pour ça qu'il est toujours un petit peu difficile, euh, et voire même plus possible à partir d'un certain stade, d'exprimer ce genre d'émotion là, comme je le fais là, parce que ça va forcément être interprété comme une manœuvre commerciale, ça aussi. Parce oui. que, évidemment, on est tellement bombardé aujourd'hui, et encore une fois sur les réseaux sociaux. Tout est émotion, quoi. Euh, euh, les gens, on, on parle tellement des émotions des uns, des autres, de machin. Et puis, derrière, parfois, il y, y, a, y a effectivement des manœuvres, des, des, des personnes qui veulent attirer la sympathie, le machin, en sortant euh, l'orchestre à cordes, quoi. Donc, évidemment, ouais. tout ça, après, bah, ça galvaude euh, les, les, les émotions euh, réelles. Et puis, voilà, tout, tout, tout se lénifie, tout, tout est sur le même plan. Et donc, et donc après, ben, c'est ce qui fait qu'on neutralise. Moi, je sais que je, je, je neutralise quand même pas mal maintenant mon, mon discours sur, sur les projets euh, quand je vais avoir une illustration qui sort pour tel ou tel projet. Euh, alors oui, je dis, bon, ben voilà, je suis heureuse et fière de partager ça avec vous, mais ça ressemble presque à une formule, alors que non, mmh. dans la réalité, non, on est très très heureux et très très fiers et parfois très angoissés euh, quand quelque chose va sortir parce que... Euh, encore une, comme je le dis toujours, quand on est illustrateur, on vend pas des fèves, quoi. Euh, c'est pas un travail qui peut se faire comme ça, de manière un petit peu absente, mécanique, par non. habitude ou par euh, même euh, ou même par euh, dextérité ou par compétence. Non, c'est c'est à dire que si à un moment vous vous mettez pas une implication un petit peu dans ce que vous faites, s'il n'y si, si a pas une une sphère émotionnelle où qu'elle se situe. Euh, ça peut être pour l'œuvre, pour mais ça peut être pour la licence, ça peut être pour un personnage en particulier, ça peut être pour la technique ou l'ambiance que vous allez y mettre. Enfin, de toute façon, vous imaginez bien que quand on passe sa vie à enchaîner un dessin après l'autre, si vous trouvez pas une raison de vous intéresser à la pièce là sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais ça va être l'effondrement artistique. Et donc, ça, ça nous demande de déployer des, des, des trésors de, 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 de créativité, mais. Euh, émotionnel pour mmh. continuer à donner quelque chose quoi on n'était pas juste là malheureusement on est souvent vu comme ça et parfois même par les éditeurs on n'est pas juste un élément décoratif quoi mmh. on est des on est des, des, voilà, des, des individus euh, pensants, ressentants qui, euh, qui vont essayer de, de donner un truc alors bon c'est peut-être pas une généralité il y a peut-être des, des mecs qui produisent comme ça bon, évidemment, des moments aussi hein, à force, <laughs> on peut pas mettre euh, toute son émotion dans tout mais mmh. si, il si, y, y a quand même euh, des projets, Et moi j'ai la chance quand même de travailler sur beaucoup de choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Mmh. quand je dis que je suis hyper fière c'est vrai, à ah, 20 mots. Est-ce que du coup, il y a eu des, des moments où tu as peut-être pensé refuser, comme ça, à travail, parce que tu sentais que c'était émotionnellement trop difficile ou trop lié à toi, ou une marche trop haute peut-être Alors, généralement, moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que justement, quand quelque chose s'annonce. Euh, euh, justement difficile ou euh, un peu trop chargé émotionnellement j'ai plutôt avoir tendance à y aller quitte à ce que ce soit à mon détriment par contre euh, quand vraiment quelque chose me parle pas ça là je dis non euh, moi il y, y a des choses même dans la SFFF il y a des trucs ça me tente pas il euh, y a aussi des trucs, des, 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 des sujets. Alors, je ne je, je vais pas trop détailler parce que le problème, c'est que ça pourrait donner des indications. Oui, euh, oui, pas de nom, etc. Mais il va y avoir ouais. certaines, certaines franges de la littérature, de l'imaginaire, certains, certains thèmes, certaines ambiances, certains publics que je ne m'identifie pas ouais. à ça. Et donc, du coup, je serai à contre-emploi. Et je pense que je prendrai la place de quelqu'un qui ferait un bien meilleur travail que moi là-dessus. Euh, donc, euh, donc oui, euh, non, non, il y a, y, a, y, a, y a des choses, par contre, voilà, que je peux refuser. Mmh. Parce que ça ne me parle pas. Mais jamais je ne, ne refuserai parce que ça me parle trop. Au contraire, ouais, c est c est ça. Trop, ouais, trop tu peux avoir une sorte fait. de pression ou en disant ah, bah, mais je ne me... peux, peux pas y toucher. Trop, euh... On va être clair. Cette sensation-là, qui est finalement assez voisine hein, du syndrome de l'imposteur, oui. euh, j'ai dû apprendre à vivre avec parce que mon quotidien n'est presque fait que de ça. Vous imaginez bien que quand vous êtes un illustrateur qui n'est même pas formé, euh, à la base, de manière académique, on va dire. Et que vous êtes vraiment, je le dis toujours, je suis arrivée dans ce milieu sans savoir même de quoi était fait ce milieu, aucun contact, je n'ai pas d'amis illustrateurs réellement, euh, et je n'en avais certainement pas à l'époque, aucune connexion. Donc vraiment, je suis passée du bord de la piscine au grand bain et il n'y avait pas le maître nageur avec la perche. Donc mmh. il. Il a fallu, il a fallu, voilà. Donc évidemment et avec en plus les opportunités que j'ai pu avoir au fil de ma carrière, tu imagines bien que mon parcours n'a été fait que de ça. De moments où je me suis dit, oh, c'est pas possible, c'est trop ouais. gros pour moi. Mais Magic aujourd'hui, chaque fois, ça fait quand même plus de dix ans que je travaille pour Magic, mais quand je reçois euh, là, là en, en ce moment même, je travaille oui. sur un truc. Je oh, sais c'est pas possible. <laughs> je vais faire ça. Il voilà. y, y, y a plus que ça, il y a, y, a, y a plus grand que euh, Aragorn ah, non, dans les mais mais... Euh, ah, ça... oui, oui Là, on arrive ah, sur oui. un truc quand même euh, en termes ah, de... Ah oui, oui de non, non, mais quoi. Je, je vous jure, il y, y a des trucs sur lesquels, là, j'ai travaillé mm. tous ces derniers mois, mais je, je, je me retrouvais devant mon écran, je me dis, mais c'est mm. pas possible, en fait. Et mm. au, au stade encore, où voilà. Vous, vous êtes face à quelqu'un qui, après 17 ans de carrière, continue parfois mmh. à imprimer des mails qu'elle reçoit de ses directeurs artistiques, certains feedbacks, certains machins, mmh. pour me les mettre au mur pour me dire Mais qu'est-ce qui se passe mmh. Je fonctionne ça, encore ouais. comme ça. c'est vraiment il y a quelqu'un qui n'est pas blasé de son truc. <laughs> J'ai juste mis une petite, une petite question de, de Cécile, coucou d'ailleurs, qui disait ouais, Si tu cherchais aussi des fois, quand, bah, quand tu te lances dans une illustration, de, une connexion avec le sujet -même. Ah oui, il faut essayer. Il faut essayer. Et surtout, quand le sujet n'est pas tout à fait dans votre zone de confort, il faut d'autant plus chercher la connexion pour qu'il pour qu se passe quelque chose dans l'illustration dans, dans au final. Parce que je, je le vois, alors je suis peut-être la seule à le voir et que le public ne le discerne pas, je le souhaite, mais euh, mes meilleures illustrations selon mes critères sont les illustrations où la, la, la connexion était là. Et plus elle était forte, et plus, d'une part, l'illustration finale me plaît, et aussi, étrangement, plus le, le, le process créatif a été facile. Alors, c'est presque une chose que j'ai dû soigner chez moi et que je continue encore à soigner, même, même si j'ai progressé, c'est que c'est bien de marcher à l'émotionnel quand on est un artiste, mais il faut faire gaffe à ne pas être trop que dans l'émotionnel, oui. parce que... Euh, c'est déjà, de... pour Comment C'est épuisant déjà pour absolument, commencer Absolument, absolument, c'est ouais. tout à fait ouais. exténuant. Et, euh, et c'est aussi bah, contre-productif. Euh, L'Assassin Royal en était une très très bonne preuve. C'était tellement ouais. trop de l'émotion euh, à chaque fois qu'au bout d'un moment, moi, j'ai perdu les pédales. Quoi. Et il n'y avait plus rien de correct qui sortait. Donc, ouais, euh, euh, non, il faut savoir gérer euh, la connexion qui est essentiel, c'est vrai, avec, voilà, je, bon, quand même, je suis un professionnel, euh, <laughs> je vais juste faire fonctionner mon petit vélo technique, et puis euh, voilà, on va, euh, on va se reprendre. Euh, ouais. okay. ok. Vu qu'on est un peu en, en train de parler aussi du parcours, je vais déplacer un petit peu les questions, Fred, je suis désolé. Hein, parole, je suis on <laughs> s'était enfin... promis qu'on allait digresser. Moi, j'ai des ouais, petits ouais. trucs sur le côté, là, que tu ne vois pas encore. Euh, j'ai montré des petits trucs. Non, oui. non, n'aie pas peur. Mais parce que c'est un peu les étapes où, moi aussi, j'ai, euh, j'ai progressé. j'ai progressé, j'ai avancé. Et t'étais sur le chemin, on va dire. C'est assez rigolo. Excuse-moi, j'espère je, euh, que je t'ai pas fait trébucher. Non, ça va, j'ai pas trop, j'ai pu enjamber, ça s'est bien passé. D'accord, pas un myth, Je te montre. Du <laughs> non, ça va. Euh, <laughs> euh, on va en parler, ça peut, et ça peut servir un petit peu d'étape, peut-être, dans ta, dans toi, dans ton travail. Donc, je te oui. propose, on montre, et tu nous en mm. parles. Si J'espère je ouais, que je vais me pas, souvenir. Ouais. Parce que, alors, je vous le dis tout de suite, j'ai une, une oui. mémoire. Je ne sais pas si vous voyez Doris dans Nemo. Oui. Je m'identifie totalement à ce on... poisson. On va s'en rappeler pour toi, t'inquiète pas. Absolument. Juste, t'as commencer quand même très proche du jeu de rôle. C'est un peu le, la thématique première de la chaîne. Désolé, tu parles beaucoup de livres, mais moi, je vais te parler du jeu de rôle. Hein. Moi, oh non euh, Je suis désolé. T'as commencé assez proche du jeu de rôle. Parce que là, j'ai un oui. euh, jeu de rôle magazine, novembre ouais. 2009, si je me sens bien. C'est numéro ouais. 8, sachant que dès le ouais. numéro 2, il y a ton nom qui apparaît dans euh, la euh, maquette, en fait, en tant que oui. maquettiste. Hein, Absolument. Ça se verra peut-être pas bien ou. Au... Attends, ah, mais c'est un dessin là, à moi shit. devant. <laughs> oui, oui. Ah, oui, oui. C'est un dessin à toi parce que je vais même te dire c'est même une interview de toi qui est à l'intérieur. Ah, d'accord. Euh, prise par un wow. certain Alexandre Dench. Quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, effectivement. Moi, et, euh... Je ne le connais absolument pas. Si Il t'a interviewé une fois. <laughs> ouais, si Quelqu'un pouvait me le présenter ça m'intéresse. Ouais, être... une ou deux fois et. <laughs> il y a moyen de vous vous en bien tous les deux. Voilà, tu t'avais à 21 et où tu parlais effectivement de, euh, de ton petit parcours encore à l'époque. Ah oh bah oui, euh, notamment de... le petit parcours de 3 ans. <laughs> ouais, mais en 3 ans, ça allait passer des choses, puisqu'il y a quand même le, le rendez-vous manqué avec l'école des Gobelins, si je me rappelle bien, faut que je la relise quand même, ça fait longtemps. Oh, C'était avant ça, même la carrière professionnelle. Mmh. Ouais. Mmh. Effectivement, quoi. à l'époque où tu nous parles d'un tout petit projet euh, personnel, dont, mais tu ne nous dis pas, pour, pas plus pour l'instant puis après, il y a à côté le projet, la dernière terre qui, qui est écrit là, c'est rigolo. Ah bah euh, oui, bah, euh, ça c'est. Voilà, je me le traîne. enfin voilà. On se le traîne avec mon mari mmh. depuis euh, le début des années 2000. Donc, euh. voilà. oui, Comment tu es arrivé là-dedans pas, pas du tout formé, hein j'ai totale. <laughs> donc ça c'est toi par exemple. Hein, cette bah oui voilà alors écoutez euh, amis graphiste euh, pardonnez-moi. Hein, euh, <laughs> Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. <laughs> ça <rire> va. J'en prends le cas. En plus je prends le 8, donc tu t'es fait la main hein, entre le 2 et le 8. Hein, ça. Même encore aujourd'hui ça... ne me demandez pas de faire une banquette de, de magazine ce n'est pas. Oh il y avait des Comment gens. Qui <laughs> Mais je ne sais pas. Je ne me Alexandre, rappelle pas. peut-être Peut-être, oui. C'était peut-être plus par le biais d'Alex, mais. Euh... Alors, c'est ça aussi le problème c'est que. va ben, y a avoir des gens qui vont être capables, des fois, de vous, de vous filer des anecdotes. Je ne me rappelle tu pas. pas. Non, <laughs> mais on, on, va, on, on va parler étape, en fait, rigolo. Mais tu étais rôliste aussi à la base Ou pas vraiment non, Tu l'imaginais un petit pas peu, mais du pas tout. Plus. Pas du tout. Le, la première fois que j'ai joué à un jeu de rôle, ça devait être euh, le 1er janvier, genre. Euh... 2018. <laughs> J'ai des amis, des amis qui avaient euh, créé une campagne euh, bah, exprès pour, pour nous initier, mon mari et moi. C'était la première fois, et en fait la, la, la seule fois pour le moment de ma vie que je jouais à un jeu de rôle. Mais là encore mmh. une fois, on parlait d'arnaque, mais j'étais une arnaque en graphisme, mais je suis totalement une arnaque dans les domaines que j'illustre. J'ai commencé à, 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 à jouer à Magic tellement sur le tard. Euh, que c'en est ridicule. Je ne comprenais pas du tout le jeu pour lequel j'illustrais. Et quand les joueurs en dédicace venaient me voir et qui commençaient mmh. à me dire « Oui, alors euh, moi, euh, je suis euh, joueur euh, bleu-noir, euh, machin... » Qu'est-ce que tu penses de l'équilibrage oui, de ta euh, carte euh... J'essayais de prendre un air entendu. Je ai disais « Ah oui, c'est intéressant ça. C oh, les joueurs bleus hein. !» <laughs> Bon, voilà. Mais Donc, euh, il a... Mmh. Voilà. Je m'y suis mise après. Mais il a fallu longtemps. Mmh. Mais parce que... Mais justement... alors Encore une fois, je vais essayer de... de... De, de, de Maintenant de créer la, la séquence Apitoiement, je ne sais pas si quelque part dans, dans, dans tes gifs, Fred, dans tes musiques, tu as quelque chose de triste, de, de, de désolant. Euh, mmh, je je n'ai pas le je, temps de jouer. Vais... C'est vrai, j'ai très peu de temps pour euh, faire autre chose que ce que je fais. Donc euh, pendant des années et des années, je, je ne prenais absolument pas. Euh, le temps pour ne serait-ce que m'initier à Magic ou au jeu de rôle, euh, ce qui est un peu contre-productif quand on, quand on travaille pour des domaines comme ça, parce que je pense que c'est un plus quand même de, au bout d'un moment. Et moi, ça m'a un peu apporté. Alors, ça n'a pas beaucoup changé euh, ni le workflow, ni mon appréhension de, de, mon, de mon travail, mais c'est plus confortable, notamment pour Magic, de, de comprendre un minimum ce qu'on fait si quand on, quand on illustre pour eux. Mm -hmm. manque de foi me consterne. <laughs> et oui, on appelle Magali la béotienne de la SFF. <laughs> <laughs> Juste le temps que je le trouve. Hein, ouais. Mais bravo parce que ouais, oui. le propos était magnifique. Ouais. Franchement, euh, mieux que Julien Le Perce en termes d'animation là. la rue. J'ai honte. honte. <laughs> non, je... je rigole mais j'ai honte. <laughs> voilà. Mais non pas du tout. <laughs> <laughs> euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là entre le moment où tu fais du maquettage dans des magazines de jeux de rôle mm. et tu arrives à travailler pour une boîte américaine, mm. et, euh, Fantasy Flag j'ai raté de dire Final Fantasy Flag Game, Fantasy Flag Game, qui ouais, éditer arrête, un jeu je du, du, du trône de fer Il se passe que je vais à la Fnac. Euh, donc à cette époque-là où je suis allée à la Fnac, euh, je, je cite une marque à falloir mettre des bips, hein, euh, je ne travaillais que pour le marché français. Euh, alors ça ne faisait pas du tout partie de mes objectifs de carrière. J'étais déjà quand même, euh, j'avais déjà bien l'objectif de m'exporter, ne serait-ce que parce qu'il me semblait quand même que le marché français était un poil limité en termes de possibilités pour euh, faire une carrière viable, ne serait-ce que économiquement. Et donc je vais à la Fnac et je trouve un artbook. Du trône de fer, mmh. avec plein d'illustrations dedans. Je le feuillette. Alors première réflexion que je me fais, je me dis, alors encore une fois, bon, pourquoi je vais passer Mais enfin bon, voilà, un illustrateur, ça a aussi, vous imaginez bien, un œil critique. Mmh. On n'est pas là à s'émerveiller de tout, on voit les choses un peu du côté technique, etc. Et je me dis, bon ben bah, quand même, il me semble que ce que je vois là-dedans, pas tout, mais il y a des trucs, je pourrais aussi le faire. Hein, euh... En termes de qualité d'illustration, au niveau en tout cas auquel j'étais à l'époque, qui était bon, pas terrible, mais en tout cas d'ores et déjà, un niveau qui me semblait relativement euh, voisin de, de ce que je voyais de certaines illustrations. Alors, je dis bien certaines, hein, parce qu'à côté de ça, il y avait des Michael Comarque et compagnie aussi dans le mmh. book, donc <laughs> ah, bon, c'est déjà pas les mêmes limonades. Néanmoins, bon, après je me dis bon, allez, c'est qui l'éditeur de cet artbook Je regarde à la fin. <laughs> Et je vois que euh, telle illustration, enfin une grosse partie des illustrations, c'était Fantasy Flight Games. Mm. Et leur après, bon, ben voilà, je suis allée sur Internet, qui est Fantasy Flight Games, et j'ai découvert que c'était une compagnie euh, de jeux, et qu'il ben, y avait un, tout simplement un lien pour envoyer un portfolio. J'envoie mon portfolio, et je suis prise immédiatement. Et la première licence sur laquelle je suis prise, c'était le Trône de fer. Mm. Et je me souviens, la première chose, je sais pas si c'est... La première ou la deuxième chose, deux premières choses que j'ai en fait, c'était une carte qui montrait, je crois, euh, je, je suis pas sûr de si c'était euh, Aria, mmh. mais mmh. qui était déguisée. Je suis pas sûr que c'était elle, euh, c'était en une petite fille euh, déguisée dans une ruelle. Euh, voilà, et euh, une, euh, une carte qui s'appelait euh, His Viper's Eyes. Et c'était deux mmh, yeux. yeux comme ça, probablement, mmh, l'idée à la Maison Martel, j'imagine. Mmh, ouais. Et, euh, et c'était les deux premières choses que j'ai faites. Alors, franchement, en me disant oh, c'est le trône de fer. Mais j'étais comme une dingue. Comme une dingue, le trône de fer. Je Bon, c'est certainement les, les, les deux seuls trucs que je vais faire pour la licence. Mais ouais, j'aurai ça dans mon CV. Euh, vraiment, j'étais vraiment comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Je, je pensais toujours que. Quand j'ai commencé à travailler sur Le Seigneur des Anneaux, j'allais en faire cu, et puis Star Wars, et puis Magic, la même chose pour Magic, toujours comme ça. Au moins comme ça, après, en cas de désillusion, on n'est pas, <laughs> pas déçu. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et, et c'est de cette manière que j'ai euh, bondi par-dessus l'Atlantique pour euh, commencer à travailler dans, dans, sur le marché américain. Parce que par ouais. contre, alors. En réalité, comment ça s'est passé Du moment où j'ai mis le, le, le doigt euh, dans, dans, dans l'engrenage de Fantasy Flight Games, là, euh, ça a été un, un tourbillon. Au euh... mmh. oui. revoir oui. à oui. K06. <laughs> ça a été un, un tourbillon euh, incessant pendant des années. J'ai produit des centaines ouais, de... Ouais. Centaines. Ils, mmh. ils, ils t'ont bien apprécié ouais, chez FFG, chez ouais, effectivement. Mmh. J'ai fait beaucoup ah ouais. de choses avec eux. Et puis, c'est là où j'ai fait euh, des rencontres où, pour la première fois, j'ai commencé à sentir euh, parfois des. bah oui. Ben euh... oui, oui. oui. J'ai toute la porte. À vous, c'était excellent pour l'interview. Alors, tu peux aller voir mes vidéos d'il y a 4 ans. Ça y est, déjà. Oui, jamais... <laughs> jamais... Ça, ça me fait, fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Je reconnais des choses derrière. Ouais, ouais, ouais. Et tout est signé à Strasbourg. Mais bon, bref, les anecdotes, mais. Et c'est ouais, ouais, ouais. là aussi que j'ai eu pour la première fois voilà, des, des, des relations un peu plus étroites avec des directeurs artistiques, où j'ai un peu découvert ce que c'était aussi de, de travailler avec quelqu'un, pas juste pour quelqu'un. Mmh. Mmh. Okay. Et je crois que c'était sans ça, la carte que tu as faite avec la, la, la petite ah, fille. C'était sans ça plutôt, oui. C'était sans ça, je crois bien. Ok, donc du coup, euh, tu rentres au trône de fer, tu... Balustrer le jeu de cartes, donc il y a la V1, il y a la V2. FFG, t'apprécie beaucoup, tu vas aussi faire le jeu à collectionner. Alors, c'était des, des, des JCE à l'époque parce que c'était des jeux de cartes évolutifs. Hein. C'est-à-dire qu'on achetait des chapitres euh, tous les mois, qui étaient à 15 euros, et on savait les cartes qu'il y avait dedans. Donc, ce n'est pas, pas comme Magic. Il y a eu du, euh, du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Il y a eu le Star Wars, le jeu de cartes aussi chez FFG. Il y a aussi certaines illustrations à toi qui sont là-dedans. Oui, ouais, absolument. C'est pas du FFG directement, il me semble, celui-ci. Ah non, ça c'était bah, euh... les éditeurs, euh, là, c'était commandé par euh, Del Rey, je crois. Del Rey, oui, c'est Del Rey, mm -hmm. ouais. C'est mm -hmm, ça. C'est ça. On, on voit bien ton style avec c'est euh, né, ses particuliers, et euh, ce côté <laughs> androgyne à la Tetsuya Nomura. Je, 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 je dirais ça oui. comme ça, on verra bien ce moment où tu réagis. Oui. Voilà. <laughs> on a de belles références. Oui. Euh, bah, en même temps, ça se voit derrière toi, hein, si tu sais. Moi aussi, je suis... râle <laughs> aussi Mais si y a, y a derrière pas toi. Du coup, euh, où sont les indices et encore heureusement que tu vois pas mon tapis de souris. Ah, mais Tu peux nous le montrer, tu sais pas, pendant que je, je montre pas, les, les pas différentes une... maîtresses des rois de Westeros, tu peux <laughs> nous montrer. <laughs> Donc, je oui, fais une sélection. Hein, Extraordinaire ce bouquin, moi je, je l'avais pris en et, ouais, et... incroyable. Pff, truc de fou, c est Incroyable. Superbe. Bon. Vraiment superbe. Il y avait beaucoup de personnages, aucun, oui. voire pas beaucoup d'illustrations de, de, de paysages ou de, de lieux, très, de très tours, bon. de, de châteaux. Ouais. C'est normal, ce n'est pas ma spécialité. Et voilà, donc, on, on laisse part. ça aux, aux gens qui maîtrisent. Ouais. Tu as mis un stop au moment où tu as été recruté là-dessus, ou c'est eux-mêmes qui ont... Non, non, c'est-à-dire que je, je n'ai pas eu de, de stop à mettre. C'est-à-dire que quand on travaille, c'était déjà le cas chez FFG, c'était des directeurs artistiques de très grande qualité euh, qui savaient très vite reconnaître ce pourquoi un illustrateur était doué ou pas. Et, euh, et c'est la même chose chez Wizard of the Coast, du reste. Euh, c'est ce qui fait qu'il y a une espèce de récurrence un petit peu dans les choses qu'on va faire. C'est parce que les directeurs artistiques savent qu'il vaut mieux ne pas employer un illustrateur à contre-emploi pour que tout le process reste très efficace. Okay. <laughs> ah, donc, du coup, tu es vraiment plus euh, portrait que paysage, hein, clairement. Absolument, oui oui, tout à fait. Tu t'es entraîné et tu t'es dit c'est pas pour moi ou tu as senti c'était pas pour moi tout court, en fait. Le... En fait, j'ai toujours fait en sorte de de avant tout me vendre entre guillemets pour ce pourquoi j'étais un minimum doué. Donc j'ai toujours créé mes portfolios de manière euh, les plus euh... taille de collection toi de trucs j'ai beaucoup gagné. Moi des et des mon épouse, on a, voulu, on a beaucoup, on a beaucoup gagné vu, au monde de faire. J'ai pas vu depuis longtemps. Hein. C'est trop marrant ah bah... de les revoir ah bah, ouais. ah bah Celle-là, c'est excellent. Et on, joue, et on joue toujours à l'Orkana avec ces, ces tapis-là. Hein, c'est très bien. Je... Merci. Je, je vous remercie <rire> <rire> de porter haut les couleurs de cette période qui a tellement compté en plus dans ma ouais, carrière. Ouais. Et euh, non, non, c'est-à-dire que voilà, chaque fois que j'ai fait un portfolio, je faisais en sorte vraiment qu'il soit clair de, de, de ce pourquoi, si on voulait m'engager, il fallait m'engager. Après, évidemment, au fil des années, je me suis imposé la discipline de m'améliorer sur les, les points d'achoppement, enfin ce que j'estimais des points d'achoppement, c'est-à-dire bah, de, de faire des efforts sur mes décors, même si mes décors restent souvent des, des, des ornements de fond, puisque c'est mon personnage devant, mais vous imaginez bien, voilà, là, par exemple, ne serait-ce que ce qu'il y a en, en image de fond, là l'illustration toute bleue. Il faut quand même la faire, la bibliothèque, il faut la faire, la perspective et tout ça. Si je n'avais pas un peu travaillé là-dessus, et même si encore aujourd'hui, c'est compliqué, mais voilà, je me suis un peu améliorée, voilà, exactement, de, de sorte à ce que quand même mes personnages, mes personnages sont tellement travaillés, il ne faut pas que ça fasse trop décaler entre le fond mmh. et le personnage. Donc, c'est ce qui m'a forcé, à, à, et encore aujourd'hui, à essayer de, de, de progresser sur ce point, oui. Ouais. Mmh. sinon tu dessines seulement des personnages en très grand avec très peu de fond et ton style il évolue pas c'est ça en fait aussi le problème Exactement. et puis de toute façon ça ne correspond pas à la demande du client tout simplement ah, le, oui. le, le client n'a que faire de savoir si tu es à l'aise ou pas avec le fait de mettre un décor derrière ton personnage il lui faut un décor derrière le personnage et souvent mmh. surtout dans le cas de Magic c'est très circonstancié on peut pas faire n'importe mmh. quoi donc euh, voilà il faut, il, faut, il faut le faire mmh. de toute façon comme mmh. je dis toujours mon quotidien consiste à trouver des solutions à des problèmes. Voilà. J'ai un brief, et à partir de ce brief, il, il me pose un problème au sens mathématique du terme, et ma mission à moi, c'est de le résoudre efficacement, euh, joliment, et dans les temps. Je prends juste deux secondes. C'est vrai que du coup, dans les rapports avec, euh, avec les, ceux, ceux qui te commandent des illustrations, que ce soit Wizard... Et autres, il euh, y, y a des questions de délai aussi qui doivent être vachement importantes aussi. Oui, très ouais. importantes. Ouais, importante. Je ne suis pas étonné. Et anglo-saxon, oui, je ne suis oui. pas étonné. Bien sûr, et puis on, est pénal... euh, on peut être pénalisé. Euh... Pénalisé, ouais, tout à fait. Oui, euh, ouais, tu euh, vois ça. Le ah, en pas encore c'est normal. En même temps, quand Wizard annonce une date de sortie pour Magic euh, ah. six mois à l'avance, ils peuvent pas mmh. décaler, donc euh, si l'impression n'est pas parce partie, il y a, a, de a une process, euh, voilà, de, de validation, de production, et on, mmh. on ne doit pas être un grain de sable euh, le moins possible mmh. en tout cas. Alors évidemment, après les aléas de la vie existent. Hein, euh, mmh. Moi, il m'est arrivé une ou deux fois de tomber tellement malade que ben, là, travailler n'était plus possible. Mais c'est vrai que généralement, euh, c'est il faut qu'on se le dise, les, les, les illustrateurs qui travaillent euh, comme je travaille sont souvent des personnes euh, par nécessité résiliente euh, parce que euh, le client c'est pas trop son problème que vous ayez des problèmes moi je me suis vu travailler il euh, y a des dessins des dessins de magie notamment quand je les vois et eh ben euh, ce, par exemple il y a un dessin je, je ne dis pas lequel parce que ce n'est pas important mais euh, ce dessin là le jour où je travaillais dessus euh, j'avais quelqu'un à l'hôpital qui était en train de mourir mais il, faut, il y a un contrat. Il faut s'y engager. Oui. Donc c'est comme ça, euh, mais c'est l'avis de tout le monde finalement. Mais là où, là où ben, certains vont pouvoir dire à, à leur patron là, est-ce que je peux prendre une semaine parce que oui. ben, c'est juste pas, pas possible. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est-à-dire que, évidemment, si je vais voir mon client et que j'explique ça, je peux pas le faire, je laisse tomber ce contrat parce qu'il m'arrive ça, ça. Euh, il ne va pas dire non, non, non. Pas, ça ne marche pas comme ça. Mais si vous ne faites pas le contrat, vous n'êtes pas payé. Là où euh, on peut prendre un congé euh, pour X raison et quand même toucher son salaire, évidemment, pour tout chef d'entreprise, ce n'est pas possible ça. Et, euh, et puis moi, voilà, j'ai je, 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 une maison. Euh... Il y a aussi une histoire d'image et de relation avec l'éditeur. donc. Euh... En plus, c'est ça. Alors, c est, c est, ça, c'est très, très vrai. Euh, moi, j'avais vraiment pris ça à cœur à un point, c'était presque une notion samouraï, quoi, chez moi. Pendant mmh. des années et des années, euh, je, je, je sacrifiais tout. Mais quand je dis des années et des mmh. années, c'est là, j'ai un peu plus de 17 ans de carrière. Il a fallu que j'arrive à à peu près 15 ans de carrière pour commencer à entendre quand mes proches me disaient qu'il allait peut-être falloir que je fasse quelque chose ouais. pour arrêter de me. Ben juste, de... Je ne vivais plus, en fait. Ouais. Mes proches ne me voyaient pas, mes amis ne me voyaient pas, je ne prenais aucun week-end, je ne prenais aucune vacance, je terminais de travailler à 3 heures du matin pour reprendre à 9. Ça n'avait aucun sens, a fortiori, parce que personne ne m'a jamais demandé ça. C'est à moi de, 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 de m'organiser. C'est à moi de m'organiser. Euh, mais je, je m'étais mis euh, des, des idées un petit peu folles en tête, comme quoi il fallait que parce que je travaillais pour les États-Unis, que je vive sur un, fuseau, une, un créneau horaire similaire au leur. Mmh. Il faut être que... par rapport aux demandes, etc. Ouais. Quoi. Mais pendant des années, j'ai cru que si je ne faisais pas ça, il... tout allait s'effondrer. Je me rends bien compte aujourd'hui que c'était absolument ouais, mais pas le Mais que voulez-vous Quand vous avez tellement travaillé pour arriver à quelque chose et que mmh. vous arrivez à ce quelque chose et que c'est encore mieux que ce que vous croyez, bah vous, vous, vous vous y accrochez comme ça, comme la au poil mmh. du chien. Et, euh, et parfois, vous perdez un peu de lucidité aussi, quand même. Mmh. Du coup, j'en vois, vois beaucoup, de, beaucoup de love à Ultima Verba, là, qui a cité aussi son exemple. Il fait beaucoup de relectures de maquettes et autres, et lui, euh, sur Maj Ascension, c'était au chevet de sa, sa maman. Et comme il dit, hein, si on s'arrête, les revenus s'arrêtent aussi parce qu'on n'est pas salarié. Et, oui. et ça, c'est vraiment un dilemme qui est, euh, qui est assez cruel, finalement, mmh. parce que c'est vrai que ça vous met perpétuellement face à, à, cette, no à cette idée qui n'est pas très confortable de vous dire, mais oh, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie exactement mmh. enfin, euh, on, on, en tant que freelance, on est quand même vachement confronté à ça. Parce que, ouais. on est dans la, dans la pleine réalité de ce que représente l'argent qu'on gagne. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des salariés, mais néanmoins, avec le salariat, il y a quand même certaines. sécurité de salaire, de... De... régularité aussi. Voilà. La Capitulité. régularité, certains filets de sécurité, le congé maladie, des choses comme ça, qu'on qu a beau dire, ça, ça vous change un petit peu le, le câblage, là. Mmh. Euh, quand on est freelance, forcément on se câble différemment, avec toujours cette idée de, il faut pas lâcher, il faut pas s'arrêter. Et si il m'arrive si, et si il m'arrive ça, ce sont des espèces de prises de tête auxquelles j'ai été salarié moi-même, je n'avais jamais des pensées comme ça quand j'étais salarié. C'était pas du tout, ça ne me venait pas avec cette intensité-là en tout cas. Ouais. C'est une grosse responsabilité, ouais. Quand ouais. tu fais du coup avec le travail de comment comment tu fais pour pas t'oublier en chemin, du coup, que ce soit tes envies, ta progression dans ton style, ce que toi as envie de faire ou de dessiner. C'est vraiment, euh, c'est un chemin en ce qui me concerne euh, que j'ai commencé à prendre assez récemment. Euh, donc, comme je l'ai euh, brièvement évoqué, euh, bah, c'était à peu près à la fin de la trilogie des loinvoyants où euh, je m'étais totalement euh, cramée, mais pas qu'à cause de ça, mais c'était, si vous voulez, c'était un peu le point d'orgue de ça. Mmh. 2021. Et, euh, et mon mari, a, à cette époque-là, a commencé à me dire, euh, il commençait à essayer de tirer la sonnette d'alarme, où il me disait, enfin, euh, je trouve que ça a pas l'air d'aller, euh, Magali. Euh, quand je descendais le soir, euh, je sortais du studio, il me disait, oh, mais tu, 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 tu es toute blanche, tu me fais un peu peur, enfin bon, voilà quoi. Et euh, mais moi, enfin, j'écoutais d'une oreille, quoi. Et puis euh, j'ai commencé à développer des symptômes physiques quand même assez inquiétants. Euh, Ou par exemple, j'ai, vous savez, j'ai un tracker d'activité euh, mmh. et qui détecte les moments où le cœur part trop haut. Ça, mmh. ça vous fait des alertes comme ça. Moi, ça me lançait des alertes alors que j'étais assise, quoi. C'est-à-dire que je faisais rien, je travaillais et je me retrouvais à 110 115 sans raison aucune juste comme ça quoi j'ai commencé à avoir des explosions d'acouphènes des vertiges des trucs bon commençais un petit peu à moi-même m'inquiéter légèrement et puis l'anecdote toute bête sur mon ordinateur en fait j'ai un logiciel qui me permet de prendre des captures d'écran de ma webcam et ça je m'en sers pour prendre des références quand j'ai besoin d'une référence de main par exemple, je me prends moi en photo, je prends là en photo pour ensuite m'aider dans mes dessins. Oh. Et ça garde un historique, ça, enfin, parce que je ne nettoie pas l'historique de mon. Achat. Et un jour, je, je cherchais un truc dans la pellicule de, de ce logiciel et, et je me suis vue. Bon, euh, je ne suis déjà pas fan de moi, mais là, je me, je me suis vraiment foutu les jetons. <laughs> ah ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment là le moment où vous où vous oh. voyez vraiment, parce que mmh. dans un mmh. miroir, on se voit sans se voir, on se croise. Mais là, je me voyais en photo. Je dis, oh la vache! Oh la tête Mais vous voyez, mmh. mais vraiment, maladif Et alors là, oh, je commençais un petit peu à prendre peur, ça, couplé aux symptômes que j'avais, etc., okay. etc. Donc c'est un peu mon mari qui m'a aidé. Et il m'a dit, Parce bon, que... on va commencer petit à petit. Tu vas commencer par arrêter de travailler à 18 ans. <coughs> Ça me paraît dérisoire, mmh. euh, mais pour moi, c'était vraiment déjà oh, Mais quel challenge <laughs> Je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais boucler mes trucs, t'es fou. Ah euh... oui, oui, exactement. Ça, pour il aller des là-dessus prochaines... très vite, ouais, pour... mmh. là vite. Euh, j'ai commencé ça un 1er janvier, le coup d'arrêter à 18h. Je mmh. commençais à travers, c'était ça le deal avec mon mari. Il me dit Tu commences à 10h, tu arrêtes à 18h. Je me disais, oh, je... dans ma tête, c'est bon, c'est la fin. Eh <laughs> <Et> bien, <laughs> le fait est que l'année où j'ai fait ça, ça a été mon plus gros chiffre d'affaires en, 10... en... Ah. En 15 ans de carrière. Est-ce que tu travaillais mieux en travaillant moins. Ben écoute, c'est ce que ça m'a fait. On peut le dire au gouvernement, ça, dis donc. Et... <laughs> mais parce qu'en en fait, en <laughs> réalité, qu qu'est-ce qu que, qu que ça démontre C'est, J'étais arrivée dans un process mmh. où je travaillais très longtemps, mais j'étais tellement claquée que je mmh. faisais pas grand-chose finalement et j'avançais très très peu. Alors que c'est fou, dès que vous vous reposez, ne serait-ce qu'entre euh, 18 le soir et 10 le matin, vous, vous, temps pour vous faites autre chose, vous vous videz un peu la tête. C'est fou. Comment après, en 8 heures de temps, ouais, vous allez être oui. bien plus efficace ouais. En réalité, ce n'est que ça. C'est-à-dire que non, ça n'a pas fait baisser mon chiffre d'affaires. Parce que de toute façon, j'avais toujours autant de contrats, preuve en est. Mmh. Il fallait que je fournisse autant de travail. Seulement, le dessin, comme j'étais un peu plus reposée. Au lieu de le faire en huit jours, je le faisais en cinq. Ah, Et ouais, donc, ouais. ben forcément, euh, tout va mieux, ah, ouais, tout va ouais. mieux. Et puis en plus, les dessins étaient meilleurs. C je mmh. trouve que ça a été une période où j'ai commencé petit à petit à pouvoir montrer des choses. Tu évoquais ça également, plus personnel, y compris dans mon travail de commande. Voilà, c'est ça. Tout, tout ce travail, il y a une espèce. C'est pas un switch parce que je, je n'aime pas le mot switch parce que ça voudrait euh, laisser croire aux gens qu'à un moment donné. C'est un peu comme ce qu'on voit en, en développement personnel sur Internet. Non, genre, ça y est, vous prenez la décision le lundi et le mardi, vous êtes mmh, une autre personne. Ça, c'est la publicité mensongère. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand vous acceptez d'essayer un engrenage différent, une petite chose après l'autre, s'arrêter de travailler à 18h, pourquoi je dis que c'est dérisoire, ça, ça doit faire sourire bien des gens, ils doivent se dire, mais évidemment, qu'on s'arrête de travailler à un moment donné. Oui, bien sûr. Quand on est lucide, mais d'abord j'ai fait ça, et puis après ben, ça vous donne du courage pour autre chose. Et puis après, ben vous êtes plus reposé, vous êtes plus lucide, et donc vous pouvez envoyer votre esprit un peu se balader dans des sphères un peu différentes. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais et moi, alors au fait, mes influences dans tout ça, et les choses qui me plaisent, les choses qui me touchent, et artistiquement, est-ce que parce qu'il y avait aussi chez moi ce côté, je disais samouraï, on pourrait également dire. Bon petit soldat, où euh, je voulais tellement être une bonne exécutante que j'osais pas prendre beaucoup de liberté, finalement, avec mes contrats. Quand je voyais des collègues à moi qui faisaient des choses assez personnelles mmh. au cœur même d'un travail de commande, et tout ça, ça a commencé à me faire réfléchir différemment. À, à, je pense, oser admettre que, euh, que les galons que j'avais gagnés, je les avais peut-être mérités et qu'à ce titre là peut-être aussi que les gens avaient envie de 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 voir euh, qui j'étais un mmh. peu plus à travers mes mmh. dessins et c'est de là après qu'a découlé euh, l'idée du projet Patreon qu'on évoquera oui. peut-être euh, oui. euh, qui était une chose qu'avant cela je ne me serais jamais autorisé c'était ce projet Patreon il est mon, mon, comment dire, ma, ma préoccupation avec ce projet, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Je suis euh, ravie de comment ça marche et très reconnaissante. Mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus symbolique que ça. Le Patreon, c'est quelque chose que je m'autorise. Et qu'est-ce que je m'autorise? Je m'autorise à faire ce que j'ai envie, exclusivement. Qu'est-ce qui me plaît artistiquement Alors malheureusement c'est flou parce qu'il faut être abonné. Mais ne oui, <laughs> ah <oui. rire> joue pas à Magic alors bon les tokens ils. Voilà. ils euh, Qu'est-ce qui me plaît la page et, le, et comment dire et l'exprimer le, et à fond. Mais là euh, voilà l'image qu'on voit là c'est un voilà c'est des choses mmh. comme ça. Oui et donc moi tout, ça mais moi ça toi ça, sur un merci. domaine où on te connaît en fait on te connaît pour l'illustration de cartes c'est pas tout ce que tu fais mmh. on est bien d'accord hein. on te connaît mmh. aussi pour ça et tu peux investir ce domaine mais d'une façon beaucoup plus personnelle parce que, du coup c'est des tokens en gros c'est des petites euh, des petites cartes qu'on va générer dans le jeu donc on peut mettre ce qu'on veut comme illustration on s'en fiche ce sont les tokens et comme ça que euh, tu peux illustrer toi avec ton style quoi et là depuis donc depuis le départ du Patreon c'est encore un projet assez récent parce qu'il y a quand même eu un an de développement en coulisses... Mmh avant de, de vraiment lancer la chose concrètement mais euh, donc depuis le début, j'ai pu aborder le style art nouveau, j'ai pu faire un hommage à Klimt, j'ai mmh. pu faire voilà, le côté estampe japonaise quand on euh, comme on peut le voir ici, j'ai pu faire de la nature morte, voilà vraiment des choses euh, qui en mmh. plus voilà en lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire mes influences mmh. classiques, c'est plus ça moi qui me fait vibrer. Mmh. C'est là-dedans que c'est ce que j'ai envie de montrer aux gens maintenant, mmh. c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu, euh, un peu à la fois différent sans l'être en réalité, mais peut-être plus. On ne m'attend pas forcément dans des styles comme ça parce qu'on ne voit de moi que, que ce qu'on me commande. C'est il oui, y a plein oui. de choses qui m'intéressent, il y a plein de choses que j'ai envie d'essayer euh, d'aborder. Alors, ce sera avec plus ou moins de succès essayer de faire genre du Klimt, c'est quand même tout un, toute une histoire, Klimt c'est Klimt. Mais ça m'intéresse pour ma culture personnelle d'essayer de comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qui va faire un style, les couleurs, mmh. voilà, des, des choses comme ça. Je crois, je crois que c'est une de celles qui m'ont plus marqué, c'est celle-là. Et celle-là en fait, c'est ce type d'illustration là, euh, ce que j'ai fait pour l'Assassin Royal, c'était déjà des moments où euh, il y avait un, un niveau d'expression supérieur pour moi. Là, pour moi, ça c'est vraiment. Je parlais des caravagistes tout à l'heure. C'est une illustration qui est très, très, très inspirée des caravagistes, ouais, ouais. avec le lyrisme de la position, le clair-obscur extrêmement mmh, fort. De la lumière. Euh, voilà. Des personnages très euh, travaillés, euh, burinés, comme ça. Vraiment le côté euh, humain euh, organique. Mmh. Voilà. C'est. Encore une fois, hein, avec mes petites capacités, c'est ce vers quoi j'essayais de tendre pour cette œuvre-là notamment, qui, selon moi, semble s'y prêter parce que euh, l'Assassin Royal, mmh. c'est finalement une des, une des œuvres que je connaisse, en tout cas de, de fantasy, les, les plus, qui tendent le plus vers le réalisme, quelque part. Mmh. Okay. Et donc, les couvertures. Les jeux de cartes, les couvertures livres, etc. Et puis, bon, comme mm -hmm. tu disais, hein, tu as débarqué chez euh, Wizard of the Coast, mm -hmm. derrière. Ça ouais. fait maintenant quelques années, effectivement, une petite oui. dizaine. Une dizaine d'années, oui. C'est ça, oui. À peu près vers Tartir, Non, je ne sais plus exactement quand c'était. Euh, vers Terros. Euh... Vers euh, Terros. Ok. Ah, je me bon, permets juste une petite question. avant le Terros qu'on a eu récemment. Oui. Avant le Terros, oui. Voilà. Ouais, voilà. Juste après une, après une petite question, excuse-moi, pour voir, parce qu'on euh, demande si Yvan Villeneuve, c'est la même famille. Oui, c'est mon frère. Voilà. Et voilà. Tu sais tout, euh, mon cher Olivier. <laughs> eh oui. Après, il va demander si Denis est la même famille aussi. Et là, <laughs> ouais, ah non pas... <laughs> ah On l'a déjà demandé, ça. <laughs> ah <non. rire> Dis donc. Bah, comme quoi Effectivement. Coup, je je t'ai coupé. Vas-y. Voilà, ouais, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu arrives, du coup, chez Magic. Bon. Euh, première question comment ça a pu se faire Et deuxième question t'as pas eu peur, du coup, d'être catégorisé dessinatrice de cartes, <laughs> du coup on passe Alors, ça, ça s'est fait, euh, encore une fois, un peu comme la fois précédente. Euh, J'en étais arrivée à... Euh, J'avais déjà quelques, quelques années de carrière derrière moi. Euh, J'avais ouais. envie de travailler pour Magic depuis longtemps. Mais euh, je connaissais le... le je, il suffit de regarder, euh, a fortiori, à cette époque-là, euh, les, les illustrations de Magic pour comprendre que c'était quand même un niveau supérieur hein, à ce que, au, au niveau d'entrée euh, exigé par FFG euh, à la base. Mm. Donc j'avais conscience qu'il fallait d'abord que je progresse euh, avant de prétendre postuler. Enfin, moi, c'était vraiment l'idée que je m'étais faite, mais j'ai une anecdote rigolote par rapport à ça. Euh, donc euh, après quelques années de travail chez FFG, j'avais quand même beaucoup progressé parce que j'avais énormément travaillé. Et euh, et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, je, là, je, je, je vais tester, je, je vais tenter le coup. J'ai envoyé un portfolio que j'avais vraiment fait exprès pour euh, Magic. Donc, vraiment, mmh. un portfolio qui, qui, qui me semblait le plus coller le plus euh, euh, à l'esthétique, le, le, à l'ambiance de Magic. Et… Euh, j'ai envoyé un portfolio et j'ai été prise immédiatement là aussi. C'est-à-dire que dans les 24 heures, j'avais une réponse positive et j'ai pu faire ma première carte qui était les vigiles de Mélétis euh, d'Anteros. Pour répondre à ta deuxième question, euh, est-ce que j'ai eu peur d'être catégorisée euh, illustratrice de cartes? Pour être honnête avec toi, euh, pour moi cette peur n'existe absolument pas. Je suis, si je suis dans l'esprit des gens très associée à Magic, j'en suis très heureuse, et j'en suis très très fière parce que moi je je je, je enfin Magic c'est euh, ça a été un tel un tel tournant dans ma vie professionnelle et personnelle également, ça m'a apporté tellement de choses, ils m'ont ouvert tellement de portes, fait tellement confiance parce que Évidemment, quand on voit les cartes, euh, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Ouais, mais euh, ouais. sur les, ce que vous voyez là, c'est 10% de notre process. Après, nous, qu'on soit en présentiel ou pas, on travaille tous ensemble, on se connaît un petit peu, ou du moins on apprend à se connaître au fil des années. C'est vraiment magique, un effort commun. Ce n'est pas facile, d'autant plus que le public n'est pas facile. Et euh, il oui. y a une vraie volonté, euh, ah ouais. parce que encore une fois, il ne faut pas confondre les, les décisions euh, des financiers avec le, 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 le travail des gens qui font euh, les ça. choses. Oui. Malheureusement, c'est vrai qu'on vit dans une époque qui a tendance à énormément synthétiser euh, et tout grouper comme ça sous oui. des des étiquettes, euh, des trucs comme ça. Et euh, moi, non, non. Je suis très fière mmh. d'être dans Magic. Je suis euh, très fière d'être associée à cette licence. Et ça ne me pose aucun problème. Si, Magic, si, ma carrière, vient, si on ne résume ma carrière qu'à ça, je ne me sens pas euh, pas respectée. Dévalorisé. Mmh. Oui, Donc, Magic, ça vient avec plein de trucs. Ça vient avec le fait quand on t'envoie au Pro Tour. Bon, ça peut participer aussi à ta fatigue, d'ailleurs. Envoyer au Pro Tour à travers le monde pour aller euh, signer des, des cartes, ça mmh. va te mettre une entre guillemets, une petite pression, parce qu'on va dessiner des personnages iconiques que les gens suivent depuis 20 ans, euh, oui. Liliana, Jacen, Teferi, euh, voilà, ils ont leur vision aussi, les gens de ces, de ces personnages, oui. et, et puis ils on vont juger comme ça. Et on, et on découvre aussi, euh, moi j'ai découvert au fil des années, à quel point euh, il pouvait y avoir chez les gens un affect extrêmement oui. puissant avec la licence, avec les personnages, ah oui. d'autant que c'est une, une licence Merci. qui, comme elle est euh, extrêmement vaste, euh, Narset, est un très bon exemple d'ailleurs pour ça. Narset est un excellent exemple. Euh, <laughs> comme c'est une licence extrêmement vaste, elle se permet aussi d'aborder des choses. Alors elle les aborde gentiment, mais elle aborde quand même des thèmes intéressants. Le mmh. personnage de Narset là, que tu montres à l'écran, mmh. sur la carte, c'est un personnage ah, dans le lore ah, qui est ah, autiste. Mmh. Et, euh, et je me souviens euh, d'avoir eu un jour en. En dédicace, euh, la visite d'un papa mmh. qui venait faire signer euh, un, un placet de, de, de Narset, je pense, mmh. et qui m'a expliqué avec beaucoup d'émotion que euh, cette carte avait beaucoup d'importance pour lui parce que sa petite fille était autiste et que de fait la, la représentation de Narset euh, lui le rendait très heureux parce qu'il, comme mmh. il me l'expliquait, dit quand ma fille sera un petit peu plus grande, je pourrai lui montrer cette représentation féminine. Mmh lui dire voilà regarde Narcette elle est comme toi elle est euh, elle a la même particularité que toi tu as et regarde comme elle est puissante regarde comme elle est forte comment les gens l'aiment aussi les et gens euh, aiment beaucoup ce personnage ouais, en plus et, et ça c'est des choses qui pour moi étaient assez inattendues j'ai je, 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 découvert la portée de Magic en travaillant euh, pour Magic et il y a eu énormément d'anecdotes comme ça les gens viennent vous voir et, et vous sentez que c'est important pour eux, euh, très souvent. Et ça, il faut le respecter aussi. Euh, euh, moi, je dis toujours, euh, le public ne nous doit rien, et nous nous devons au public. Sans public... Les jeux ne sont pas achetés. Si les jeux ne sont pas achetés, nous n'avons pas de travail. Et, oui, Et donc oui. euh, ça, c'est, il faut. Moi, je respecte beaucoup. Enfin, je dis moi, je non. Euh, les illustrateurs respectent beaucoup euh, la plupart du temps euh, les joueurs parce que. moi, bon, il y a un truc. J'en parlais encore il y a pas longtemps avec mon mari. Euh, je ne parviens pas à être détachée quand je vais en convention. Euh, bon, aujourd'hui, je me déplace plus quasiment exclusivement que pour Magic parce que c'est mmh. une question de, de temps et d'énergie. Et donc, quand je vais signer pour les événements euh, Magic, euh, j'ai toujours ce moment où, euh, alors je signe, je signe, ça ressemble presque à l'usine toute la journée. Oui, c'est mécanique. Ouais. Mais dans les moments où, euh, dans les moments où je sens un peu de fatigue, euh, je lève la tête et puis je regarde les gens dans la file d'attente. Mmh. Et l'émotion, elle est toujours la même. Je ouais. vois ces gens, ils ont préparé leur carte et ils attendent. Ils attendent longtemps, ouais. en plus. Mais ça, de voir ça, euh, encore une fois, euh, je ne suis pas euh, si émotive que ça. Donc, Mais euh, ça, moi, ça me touche. Euh, je ne saurais pas dire à quel point. Parce que ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas le succès, c'est le, le, la, la connexion, je pense, ouais. avec, le, le, avec les gens. Euh, moi, j'ai toujours dit le, la reconnaissance du public pour moi, c'est plutôt un dommage collatéral. Euh, quand j'ai embrassé cette carrière, je l'ai embrassée aussi dans l'espoir de pouvoir rester retranchée derrière mes illustrations. S'il y avait bien une chose qui faisait pas partie du plan de carrière, c'était de me retrouver dans des conventions avec deux heures de gens de file d'attente devant moi. Euh, ça, c'était pas prévu au programme parce que c'est pas ou, une ou chose... jury de festival. Ah, comment Oui. Ou jury de festival. <laughs> Oui, c'est pas ça faisait pas partie de mes aspirations. Moi, j plus moins on me voit, mieux je me porte. Par exemple, il y a beaucoup de gens, euh, notamment hors France, qui pensent que je suis un homme euh, parce que Magali, ça sonne pas très forcément fille dans tout, dans tous les langages. Wow. Donc, euh, mais j'adore ce genre d'anecdote parce que pour moi, c'est mission accomplie. Si on ne sait pas. Que je suis un homme ou un cheval ou ce que vous voulez, euh, ça prouve que j'ai réussi mon coup, à savoir qu'on connaît plus mon travail que moi. Donc, je ne veux pas qu'on me connaisse, je veux qu'on connaisse mon travail. Bon, il se trouve que quand vous travaillez pour une licence comme Magic, ben, on vous envoie euh, signer des trucs, etc. Mmh. Et ce qui, de fait, me motive pour passer outre. La timidité, on n'a pas l'impression là, mais j'ai progressé, mais je suis timide, je n'aime pas me montrer, bon voilà. Ce qui me fait passer outre ça, c'est parce que, écoutez, vous allez passer euh, trois jours à recevoir une, une espèce de pluie diluvienne, de gentillesse, mmh. de, de, gratuite, enfin, euh, je veux dire, rien n'oblige ces gens à venir, euh, mmh. et, et à chaque fois moi moi je trouve c'est trop j'ai envie, envie de faire des bisous j'ai envie de remercier <laughs> c'est trop beau, trop beau. Enfin, quelle, chance, quelle chance de pouvoir accéder à ça quoi utiliser illustrations qui m'ont fait craquer ces derniers temps Donjon ah, et Dragon, non, parce que as, ouais, ouais. chez Wizard. Après, il y a Donjon, hein, donc bon, on peut en parler parce que c'est du jeu de rôle, effectivement. Il oui. y a un lien comme ça qui se fait en plus avec Wizard par rapport à Donjon mmh. et Dragon. C'est euh, oui. pas, pas du tout, du tout. Tu l'impression de bosser pour la même boîte quand tu bosses sur Donjon oui, et Dragon Imagine oui. Ouais, ça, ça oui, Ça marche vraiment. Ça fonctionne un peu pareil. Okay. Oui, parce que euh, bah, il m'est arrivé d'aller travailler. Alors, ce plus les mêmes locaux parce qu'ils ont changé de locaux maintenant. Je ne sais, sais pas comment c'est fait actuellement. Euh... Quand j'allais travailler sur site euh, chez Wizard of the Coast, les, les départements, ils, ils sont enfin, accessibles les uns aux autres. Vous pouvez aller voir les gens de DND euh, en marchant de minutes. Vous euh, faire coucou depuis le <laughs> département euh, Magic. Enfin, c'est la oui. même chose. Et, et c'est ce qui a fait la aussi ce qui a fait la passerelle pour moi entre les deux. C'est que. Euh, vous voyez, dans les bureaux de, de Wizard of the Coast, il y a nos dessins un peu partout, accrochés, imprimés. Mm. Ils baignent dans, dans un océan de, de nos images. Et très, très probablement, eh ben, c'est comme ça qu'à un mm. moment donné, un directeur artistique de l'autre va tomber. « Ah, mais bah dites donc c'est qui qui mm. a fait ça ?» Et puis, c'est comme ça que vous vous retrouvez. Euh, moi, moi, je pense voilà, que c'est de fil en aiguille comme ça que je me suis retrouvée à recevoir des sollicitations pour DND. Mm. Okay. Euh, moi, J'avais une question avant que. Parce que là, on va on va arriver malheureusement sur la fin. Pour moi, s'il faut, on refera une suite. C'est pas <laughs> partie 2. De... <laughs> ben oui, écoute-moi. Enfin, moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Après, il faut voir les dispo, bien sûr. Mais euh, j'ai une question c'est sur euh, la technique de, de, de dessin. Euh, selon les commandes, est-ce que tu procèdes différemment Si c'est pour un bouquin, si c'est pour une carte Est-ce que, justement, euh, en fonction de ce qui va ressortir derrière au niveau de, de la forme, est-ce que tu travailles différemment non, pas vraiment. Non. Ce qui va changer, c'est le cahier des charges. C'est-à-dire ouais. que quand euh, bon, bah, une carte magique, ça a un format, il faut penser au cadre, il faut penser qu'il y a différents types de cadres pour une même illustration. Donc il va y avoir des cadres fermés, puis il va y avoir des cadres des cadres étendus, et il faut que votre illustration puisse être jolie dans ces deux formes de cadres. Ensuite, quand vous allez travailler, par exemple, on a vu la couverture du bouquin de DND, bah là c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une image bon, bah, qui soit à la fois accrocheuse. Mais qui fonctionne avec la titraille. Avec DND, c'est tout un art, parce qu'il y en a des choses en couverture. Vous avez le très gros titre en haut, vous avez le petit bandeau mmh. en bas, et vous ah, avez les. tu te rends petite... compte quand tu conçois ah, l'image, oui. en fait. Mais ah, as oui, euh... et le, par exemple, il faut... vous voyez là, là où il y a marqué en bas euh, un mélange magique mmh. de règles mmh. optionnelles, ananas. Mmh. Quand Vous faites une illustration, il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit, ce qu'on appelle euh, en bas, c'est-à-dire du bruit, pas de, gros, de grosses euh, différences de contraste, il ne faut bon. pas avoir des éléments à noirs tu... euh, clair foncé, clair foncé, parce qu'on ne va plus pouvoir lire. Il faut penser à tout ça comment est-ce que le titre en haut tu... va couper le, 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 le chapeau du personnage, comment le personnage va euh, occuper. Euh, le terrain, il faut que ça prenne le plus de place possible dans la couverture pour que ce soit, que ce soit beau, que ce soit attrayant, que c'est un peu impressionnant comme ça. Donc, c'est pas du tout, c'est tout un art hein, de composer une couverture. Et en cela, c'est un exercice un peu différent du, du travail bah, de, de carte. Ça, ça doit se rapprocher un peu du travail d'affiche aussi, parce que je sais qu'il y, y a un oui. peu aussi une caille des charges pour. Voilà. les logos, les oui, titres oui. de etc. Partout où il y a une titraille qui est établie et qui est faite pour ne pas trop bouger, c'est encore une fois, je parlais tout à l'heure de résoudre des problèmes. Votre problème, ça va être de, de trouver une solution pour que, parce que là, on voit par exemple celle de Tasha, mais j'avais aussi mmh. fait euh, une autre couverture de DND, pour, euh, c'était le crossover entre DND et Magic, et c'était pour euh, Ravnica. Ouais. Mmh. où il y avait un personnage, une, une femme euh, qui était mage électrique, où là il fallait qu'il y ait tout un tas de trucs, il fallait qu'il y ait le personnage, il fallait qu'il y ait son pouvoir, il fallait qu'il y ait le dragon euh, Nive Misette derrière, il fallait qu'on voit un peu l'architecture. Et puis en plus, là, on ne voit que le, le recto du, euh, de la couverture, mais en mmh. fait, c'est un round ce qu'on appelle. Donc vous avez, il faut faire tout le tour du, du bouquin, et il faut que l'arrière soit tout aussi intéressant euh, que l'avant. Euh, une, une, une illustration de DD aussi qui était difficile. Là, c'était je sais plus comment elle s'appelle. Elle est très récente où il y avait une tête de renard dessus. Euh, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Oh, je suis nulle pour les titres, même des trucs sur lesquels j'ai travaillé, mais ça ne doit <laughs> pas être je sais pas si elle est là ou voilà, les guildes de Ravnica. Euh, donc là, il s'en passait quand même des choses euh, là-dessus. Et euh, donc, ouais, ouais, c'est à chaque fois, c'est des gros, gros challenges parce qu'en plus, il faut que ça ait l'air naturel. Il faut pas qu'on ait l'impression que votre personnage laisse la place à la titraille comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Ça, ça a l'air d'être prévu. Euh, comme ça, hein. mmh. Mmh. Ok, bah, c'est notre travail, quoi. Ouais. Ah, c'est euh... façon de travailler qui est euh, vraiment différente, quoi. Okay. Oui, oui, oui. oui. Enfin, moi, je, pour les affiches, je sais, parce que tu sais, comme je suis dans un festival aussi. Il ouais. euh, y, y avait une chose, donc tu, tu parlais effectivement hein, de, du patrimoine que tu as ouvert, ce qui permet aussi de... Alors, c'est du travail en plus, bien évidemment, mais on, on sait ça... C'est du travail en plus, hein, ouais. Ouais, mais ça permet effectivement d'avoir des revenus aussi, ce qui n'est mmh. pas rien quand on est freelance. On, on oui, est bien, bien hein, sûr, oui. Ouais. Il euh, y avait une autre question qu'on qu s'était posée avec KFR c'était, euh, comme, comme ça fait déjà maintenant euh, bah, un petit paquet d'années que, que tu es en milieu et tout, est-ce que tu as aussi de temps en temps des, des envies de transmettre aussi ce que tu fais, des masterclass, des machins comme ça, ou, ou pas encore, enfin quoi, comment ça se passe là-dedans euh, Si, mais d'une façon particulière. C'est-à-dire, par exemple, là, assez récemment, j'ai fait une intervention d'une journée euh, à l'école de Condé à Nancy qui est une école, une école d'art, hein, qui oui. destine les élèves au métier du jeu vidéo, de l'illustration, etc. Donc c'est quand même une formation assez spécifique. Mais moi, lorsque je fais des interventions, je pose des conditions qui sont très claires, c'est-à-dire je ne fais pas, euh, je ne ça ne m'intéresse pas de faire des démos. Par exemple, de montrer comment faire ça et ça. Pourquoi ça ne m'intéresse pas C'est parce que euh, j'estime je, que je n'ai pas euh, ni une technique qui vaille d'être partagée. Alors, on peut toujours dire oui, mais toutes les techniques sont intéressantes. Dans l'absolu, c'est vrai. Je pense plutôt néanmoins que les jeunes, les aspirants illustrateurs ou les, les jeunes gens, ont plutôt besoin de structure. Et que pour, pour ce faire, ils doivent, avant de, de commencer à appréhender euh, les techniques un peu cheloues des gens qui ont appris bizarrement, mmh. il faut d'abord leur montrer euh, les règles de l'art. Les règles de l'art, et elles peuvent être transmises, j'estime, par des gens qui ont eux-mêmes reçu une, soit une formation ou un truc comme ça. Je trouve que ces artistes-là, ces illustrateurs-là, sont plus pertinents pour ce genre de choses. Moi, je ne me sentirais absolument pas à l'aise de faire ça. Euh, par contre, ce qui m'intéresse de, de transmettre pour moi, ça va davantage être tout ce qui va être de la sphère psychologique dans ce métier-là. Euh, C'est-à-dire que s'il y a bien un domaine sur lequel je peux parler, c'est celui de la construction et de la gestion d'une carrière, mmh. que ce soit dans les débuts, mais sur le long terme également. Comment euh, vous la faites durer, selon alors, souvent, je partage également des valeurs que je peux avoir par rapport à ça, mais aussi des choses que j'ai apprises, souvent euh, ben, à mon détriment, on va dire évidemment. On apprend les choses parce qu'on reçoit des leçons soi-même. Et euh, moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de transmettre parce que euh, ce que j'ai souvent rencontré lorsque je pouvais, en convention, me retrouver face à des jeunes qui venaient me montrer un portfolio. Euh, ce que je sentais souvent de manière sous-jacente, c'était des gens qui avaient beaucoup d'envie de faire tel ou tel métier, mais des gens qui vont euh, souvent avoir des inquiétudes, des angoisses, euh, des doutes. Et sur ce point-là, j'ai la sensation de pouvoir aider. Sur mmh. tout le reste, je laisse ça euh, à des bien meilleurs pédagogues que moi. Donc mmh. oui, c'est des choses que j'ai envie de faire, mais je ne vais pas forcément en faire un... Je ne vais pas me batailler pour que ça se développe. S'il y a des occasions, je, je suis heureuse de, de participer, mais je suis très bien là où je suis. Encore une fois, faire des interventions, ça veut dire être devant des gens. Et euh, oui. moi, je préfère être dans mon studio euh, avec euh, mes bouquins, mes images. Euh, voilà. Oui. Alors, juste, juste avant de clôturer, malheureusement, donc on, on verra si on peut se caler une autre date pour. On a fait la moitié envie les... de discuter. la question, ouais, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est pas, pas mal, pas mal, pas pas mal vous êtes bon. C'est plus naturel, naturel en plus. Il y avait quand même oui. ça que je vous ai montré parce que là, il y, y avait un Kickstarter dont on avait parlé sur, sur la chaîne pour, oui. pour, pour, des, pour des playmates spécifiques à Magic et j'avoue, il ouais. déchire comme c'est pas clair. Merci d'en avoir parlé déjà. Franchement. C'est vrai. Ouais, le le coût d'import en France, il, il, malheureusement, est il est un peu. Oui, dur, alors, je... ça, effectivement, c'est. Mais alors, je, je peux vous le dire, pour être très, très exposé, notamment avec mon Patreon, à la question oui. des coûts des, d'expédition, des oui. les coûts qui étaient demandés, c'était n'étaient pas délirant. Hein. Oui, oui, j'imagine. Moi, ah, oui, oui, j'expédie oui, oui. euh, depuis ma propre boutique, j'expédie. Euh, très souvent, euh, des plémates, des machins, mais c'est l'enfer. C'est à se ouais. demander s'ils ne veulent pas euh, décourager les échanges internationaux. Quoi, tu vois enfin, <laughs> ouais. Ouais, ouais, Ça augmente d'année en quoi. année. Ouais. C'est un, ouais. un, un... Notamment bah, pour mon Patreon, le pôle de dépense des timbres, hmm. mais c'est la folie. Ouais, c'est la bien. folie. Ah, la Narset, ouais. aïe, aïe. Allez, 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 Ah oui, alors... Le, le Kickstarter, euh, oh, ça a été un mois de... J'ai halluciné pendant un mois, quoi. Mmh. En gros. Donc, 5000, ouais, On va arrondir à 1, même s'il n'est pas là. 5800 800 contributeurs. C'est Soit... mmh. mmh. pas mal, hein, ouais. quand même. Ouais, Pour les tapis oui, de jeu, hein, oui. c'est même pas... Oui, oui. C'est pas oui, des oui, jeux oui, complets oui. ou des noms, c'est les tapis. Oui. Hum. Ouais. ouais. C'est bon, fort. Donc C'est vrai que je voulais bien. le montrer parce qu'il y, y, y a le... Il y a le Late Bakers... Voilà. Oui, parce que là, le, le, le gros de la campagne euh, est, est terminé, vrai. mais maintenant, il euh, y, y a la possibilité, pendant une, une durée de temps, <coughs> de, de, rajouter. Euh, de rajouter des choses, d'acheter de, des trucs, euh, okay. sachant que ce sont des, voilà, des plémates qui ne seront pas réédités sous cette forme-là, hein, c'est-à-dire sous la forme euh, extended. Bah, C'était ouais. tout le tout l'attrait de ce Kickstarter. Mmh. C'était de ce que un des version mmh. étendue. Moi, je dessine beaucoup de personnages, notamment beaucoup de Planeswalkers, et souvent les Planeswalkers, ils sont coupés. Euh, enfin, sur les playmats, ouais. ils sont forcément on, ils n'apparaissent pas en entier. Et là, pour la première fois, on peut avoir des playmats où, bah, comme la Liliana, là, par exemple, qu'on voit, ouais. on mmh. peut la voir en entier sur le, sur le tapis de jeu. Et ça, voilà. c'est très très cool parce que les illustrations, ben bah, voilà, les gens vont pouvoir les voir euh... en entier. En entier. Ah, c'est vrai que ouais, l'animation, ça fait encore plus baver. Ah bah <laughs> oui, oui, quand tu quand le vois comme ça. Il ça, ça, ne pas en mettre partout. Faut tu jouer aux cartes, Fred. Faut tu jouer aux cartes. Écoute, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis complètement passé à côté, c'est Magic, tu vois. C est, c est bon, <laughs> bah, écoute, mais ça arrive. Voilà, voilà, ouais. Tu prends là, tu peux jouer à d'autres cartes avec le Playmat, c'est pas grave. T'inquiète. c'est bon de c'est pas grave. Hein. <laughs> oui, si tu veux. Ouais. Bah, ouais. Mais y a, y a, y a toutes les occasions sont bonnes pour leur les ressortir, euh, les tapis ah, tue, ouais, de jeu. Ah oui, non, non mais ça, ça, je te confirme. Il n'y a, a, a pas de problème. Non, mais tu peux même prendre ton petit déj hein, dessus. Hein. Ah ouais? t'es pas obligé de jouer sur quelque chose mmh. tu t'en sers de dessous de ta hein, de tapis tu oui. es euh, en train de m'envoyer du rêve là, petit déj tout en ça pour poser ton bol de choc à pique le matin Mais non, pas hein. abuser non plus <laughs> au ouais, on va arrêter les respect un peu là. On peut de rester <laughs> souvent, du, du, du respect que tu as pour ta dépense mais pour ton petit déj quand même il <laughs> euh... y en a même qui les encadrent pour les accrocher au mur alors il y a de tout comme utilisation. Oui, oui. Euh, bon, alors, malheureusement, on va être obligé d'arrêter pour, pour ce soir, en tout cas. Euh, alors, comme je disais, on, on va voir si c'est possible d'avoir une suite, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à dire. Hein. Et puis, parce qu'on aime bien parler tous les trois, hein, ça, je pense que là, c'est prouvé <laughs> que c'est bon. Les euh, pipettes Oh là 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 oh, Pas du tout je ne suis pas du tout du sud et j'aime pas du tout parler d'ailleurs je suis vachement timide. On est tous là en train d'essayer comment dire de maîtriser l'accent. Au fond de chichou on a dit. En fait. Je peux le reprendre quand je veux moi l'accent. Voilà. C'est sur Méné. commande. Ah oui oui tout à fait. <laughs> moi c'est quand je suis énervé que ça revient. <laughs> oui, moi c'est les chiffres. Dès que tu me donnes les chiffres euh, alors ah, 40 42 Ah ouais <laughs> Non, mais écoute, en tout cas, voilà, j'arrive sur la petite bannière qui va bien pour ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que, que je vous adore et que c'était un super moment et que voilà, ah vivement oui, la suite. Un très Donc, bon là, bon moment, merci voilà. de m'avoir invité. Ah bah que du bonheur. À, à toi, KFR Parce que je sais que toi, tu es, euh, voilà, hein, toi oui. tu, tu n'en peux plus, mon petit. Je le vois. Je n'en peux plus? Non, je suis en forme. Moi, je t'ai encore une heure et demie. Là. Je, ah, bah oui, bah moi aussi. aussi, moi aussi. <laughs> non, il a, a mis une ouverture tout à l'heure. Là, Il est prêt pour aller au Macumba. Ah, mais. <laughs> Macumba Night. Comme ça, ah, les <laughs> gens seront le off, tu vois. Comme... Puisque le off, il faut, faut le savoir aussi des fois. J'ai des invités à la maison qui doivent, à un moment donné, venir dormir. Donc, je suis obligé de laisser la place. Voilà. Oui. Ah, oui. J'allais ah, dire, bah, sinon, oui. tu vas aller voir, tu coupes ah, la y caméra et on continue. C'est grave. Oui, il y a une vie privée. Oui, Ça m'arrive, des fois. Je ne fais pas que oui, ouais. oui, oh, bah, des vidéos nest -ce pas? Oui. C'est vrai que j'avais des questions pour le festival et tout. Donc, bon, bref, oui. une chose. Oui, oui, donc, que... même, ouais, il y a plein de questions sur les rencontres, l'illustration des jeux vidéo. Je ne sais pas si on avait fait, mais du coup, ouais, il y a des questions oh, là-dessus. Enfin, euh, même moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est en tant que joueur de cartes comment tu vas de, Tu pars d'une carte à une illustration, l'illustration à la carte. Et, euh, on, on le refera, t'inquiète ça, pas. pas. Ça ira. Va, ça va aller. <laughs> ça va le faire. Je C'est ça qui est bien. Est le... on, a, on a même pas eu le temps pour interviewer les gens. Gens, il fallait prendre un train, trimballer un micro, mais c'est terminé. Oui, ça. oui, oui, oui. Après, j'avouerai que, que bon. ouais. quand même que j'ai une préférence. Bah, en festival, ça se voit euh, pour le pour le pour le le, 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 le en visuel quoi, vis-à-vis. -vis, ah bah oui, évidemment. Mais la, ça, le virtuel oui. ouvre des portes interrégionales. Il n'y a pas de bruit. Là, on parle, il n'y a pas de bruit derrière nous, à part les enfants. Voilà. Et... Et là, là j'ai vu la liste des invités pour les imaginales. L'an dernier, je n'ai fait que 8 interviews. Cette année, je pense qu'il va y en avoir au moins une quinzaine. Ça va être... C'est fait, le cahier est déjà préparé. Voilà. <laughs> Force oh, à toi. Oh, ça va. Ouais, c est, c est, c est ouais, ça devrait aller. En tout cas, voilà, je vous remercie à nouveau tous les deux, vraiment du fond du cœur. Merci. Et puis, bah, il me reste à souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Avant que j'oublie, demain la vidéo sera rediffusée sur YouTube avec les liens qui vont bien, le chapitrage. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. À vous Et abonner. Puis... Ouais, ouais, voilà. Alors... T'as juste ah, oublié le plus important. Mais non, non, sais. moi, en fait, le plus important pour moi, c'est qu'on vous envoie tous. Faites des dons Non, il n'y a pas un truc comme ça. non Aller moi c'est Allez sur Patreon. Allez voir le Patreon. Alors, allez voir sur Patreon de Magali. Allez voilà. voir le Patreon. Ouais. Allez voir le, le, le non, Patreon. Non, ne faites pas, je pas des pas dons de... à moi. Faites des dons <laughs> moi, ça, à la Dye Story. Non, 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 la fille de Maxime a fait quelque chose. Faites quelque chose pour ma chaîne. quoi On mettra les liens. On mettra les liens pour Dye Story. Faut que j'achète des litos, J'ai tout ce mur-là et tout ce mur-là. Il est tout nu. Oh, là, ça va voilà, il, tout. là Ça commence à la porte et après il n'y a plus rien. Regardez-moi ça. Il a, il, a, il a au moins 20 mètres carrés de mur. Où là, il y a on, de peut on, on peut mettre Marcel. Il <laughs> <un mur. rire> y, y a plein de places. <laughs> T'inquiète, on s'occupera de ton mur. En tout cas, j'enverrai les liens vers ton patron. Oh, non, moi, le plus important, c'est surtout euh, tout plein de love. On vous aime tous et on vous fait. Des dents bisous. Et soutenez, je peux permettre, soutenez vos ah, illustrateurs. Dit. On va en profiter là tout de suite. Euh, les périodes ne sont pas faciles. Euh, N'hésitez pas respecte. à partager, soutenir et soutenir et mettre des petits cœurs dans les commentaires, etc. pour montrer du soutien auprès des illustrateurs dans une période qui n'est pas facile, avec l'art génératif, le votre génératif. Aiguisez ouais. votre ouais. jugement artistique. voilà Tout à fait. Apprenez, vous vous rendrez vite compte qu'il y, y a des techniques que l'ordinateur, il y a, ne possède pas, qu'il ne peut pas reproduire. Il y a une âme à l'intérieur qu'on ne peut pas reproduire. Même s'il y a beaucoup de euh, Magali Vindov-style dans les promptes DIA, on oui. euh, ne peut pas remplacer. Mais ça, on pourra en parler peut-être. On en reparlera. La prochaine fois. Fois. Je, je sentais chaud là, c'est ça. Je suis mais, hyper chaud. Je, ça ça m'énerve. <laughs> il, il ne faut pas. Donc, je reviens va, à disais Les bisous. À très bientôt. Ciao.